Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle course de caisse à savon sous la pluie et à Paris, Johan. Bonjour. Ah, bonjour Florian, mais là, ce temps est terrible. Allez, on n'est pas loin du Trocadéro, non? Non, je crois qu'on est au parc de Saint-Cloud, de mémoire. Ah, bah, en tout cas, c'est très très beau. Et avec la première équipe qui va se présenter, la première caisse à savon, c'est qui le patron? Bah, espérons pour eux que ce soit eux qui l'emportent. On vous rappelle, hein, le principe des courses de caisse à savon. On aura d'abord une petite note artistique pour récompenser la créativité, l'imagination, la décoration. Et puis après, ben, il va falloir faire le meilleur temps sur cette piste humide qu'on va découvrir. Le cumul de la note et du temps donnera la place au classement final. Allez, ça part tout droit. J'ai l'impression qu'il y a un énorme dénivelé, Johan. Oui. C'est très glissant. Ah, c'était, on a vu les images tout à l'heure. Attention déjà. Oh là là, ça frôle. Non, ça frôle les pattes de paille. La carotte. Mais ça réussit quand même à passer. Là, c'est vraiment, ils se font carotte à tout seul. Ouais, pour l'instant, c'est pas râpé pour la carotte, mais attention. Il y a même des étincelles. Ils ont perdu leurs fans. Mais en tout cas, le parcours est gigantesque. On est fiers à Paris d'accueillir cette extraordinaire épreuve de la Coupe du Monde. Ça descend fort. Hein, Oh là 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 là. Non, j'ai peur pour eux. Aïe aïe aïe. Ah, c'est de la purée. C'est de la purée de carotte. Oh les bobos. Oh le sang. Oh la douleur. On est là pour souffrir ici à Paris. Allez, les carottes, ça rend aimable, mais ça rend pas stable. Il y en a qui devraient en manger beaucoup plus des carottes. Hein, je peux vous le dire, j'en connais. Magnifique, extraordinaire, mais quel parcours qui est ultra compliqué. Ah, la tête, vous rendez compte un petit peu, la tête contre le bitume. Heureusement, pas trop de dégâts. Eh oui, mais dans casse-grain, il y a casse. Et voilà. Et regardez, ils sont tellement motivés. Ils ne veulent pas finir comme ça. Ils veulent aller au bout. Allez. Une pluie torrentielle. Caisse à out. Alors, c'est une caisse à outils. Et l'important, Florian, déjà voir l'arrivée. Déjà, parfois, peut-être il vaut mieux prendre 3-4 secondes. Ça va être compliqué aujourd'hui, Johan, à Paris, parce que la météo est vraiment pas clémente et le sol est glissant. Donc, pour ces roues, c'est compliqué. Allez, c'est parti pour la caisse à outils. Allez, on y croit en tout cas. Ils ont tout. Ils ont les outils. Donc, s'il y a un problème technique, ils sont bien outillés. Mais ils ont perdu quelques outils en route. Allez, c'est très très bien. Ils ont la volonté. Ils ont la niaque. Regardez-moi cette détermination, cette joie de vivre, cette fantaisie. C'est magnifique ce qu'ils font. Ce duo me fait plaisir. On arrive à passer là ce pont, hein, je crois que c'est un pont. On perd encore, là là là. Le virage, regardez, on a touché. Pas très large, la route n'est pas large, c'est un chemin de terre. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas la caisse, c'est la casse à outils. Mais est-ce qu'il va y avoir un équipage qui va arriver jusqu'au bout? Regardez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Dodane est terrible. Ce Dodane est terrible. Les roues avant ont plié, ils ont basculé vers l'avant. C'est un jeu de massacre. Parce là. Que ça arrive très très vite. Mais c'est les jeux du cirque là, c'est béni. C'est la romantique, c'est le pouce levé ou le pouce en bas. Il aurait arrivé des bricoles. Et regardez, la flotte un petit peu. Elle est complètement martelée. I never touch brakes and I go really too fast. Il n'a pas actionné le frein, donc ils ont été trop vite, donc ils ont enfourné à l'arrivée. Oui, mais là, franchement, je trouve que c'est les organisateurs là vraiment ont fait un petit coup en douce là parce que c'est très 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 dur cet obstacle. Oui, mais c'est parce que c'est dur que c'est bon, Johan. C'est ça, on apprécie en tout cas le spectacle. Formidable pour l'instant, aucun équipage est arrivé au bout. Ils ne sont pas fait mal en tout cas, c'est le plus important. Allez, on y croit, on les encourage, on les pousse, on leur donne la niaque. Cochon volant, est-ce que tout sera bon dans le cochon? On leur souhaite 27 en créativité. Et qu'est-ce qu'on dit évidemment? Pic, 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 hourra! Oh, c'est un cochon, vraiment un cochon volant. Les cochons dans l'espace! Et attention, et pour l'instant, ce parcours qui est terrible. Est-ce que ces cochons volants vont y arriver? On espère pour eux. Bah, on espère qu'ils vont s'en payer une bonne tranche en tout cas. Et en plus, on leur ajoute des difficultés un petit peu avec cette fumée. Allez, on y croit. Il faut arriver au bout maintenant. Il faut montrer que c'est possible. Il faut montrer à la planète entière que Paris n'est pas si dur que ça. Est-ce qu'ils vont réussir à arriver au bout? Est-ce qu'ils vont enfin. Ça va pas très vite pour l'instant, ça manque de vitesse, attention. Non, ouais, bah c'est pas que ça manque de vitesse, c'est qu'il y en a pas du tout, Johan. Mais ça y est, il commence à prendre taille, ça déballe la piste. Qui va piano, va Sano, hein, sur cette piste extrêmement glissante. Et là, on dirait du saut à ski, franchement, c'est très très compliqué. On y croit pour eux, on va prier pour eux, attention à ce virage à gauche. Virage, est-ce que ça va être bien négocié, ça? Oui, ça pour l'instant, c'est bien, c'est très 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 bien, les gars. Cette vitesse. Allez, petit. Non! Oh là là, attention, ce virage là, il fait mal. Ça y est, ils vont voir l'arrivée. Oh, le dernier saut, le virage. Ils sont en train de tout perdre. C'est pas possible! Ils avaient fait le plus dur. Ils avaient déjà résisté à 75 000 problèmes. Oh là là. À 64 000 obstacles. C'est ce rond-point dans ce Dodane. Ce Dodane est en train de faire des malheurs terribles. Et regardez le virage. On y croyait, Johan, qui l'eût cru? Et c'est le troisième crash. Qui l'eût jambon cru? Mais le sport, c'est pas ça le sport. Le sport, c'est de la joie. Attention, madame, monsieur.
Bon, oh, les Power Rangers. Ah, j'adore mon enfant. Johan, quand même, je vous signale que nos amis cochons ont franchi la ligne d'arrivée. Oh, mais là, ils sont arrivés. Heures. Oui, et en morceaux. Ils sont arrivés, c'est ça qui est beau. Et les Power Rangers, j'adore de toutes les couleurs, de toutes les douleurs pour l'instant, surtout ici à Paris. Les Power Rangers, force jaune, force rose. J'adorais. Force bleue. Ah, le club Dorothée. Oh là là, Dorothée, on l'a vraiment, si elle nous regarde, Dorothée, on la salue évidemment. Elle est fantastique, elle est formidable. J'espère qu'elle nous regarde. La meilleure animatrice de l'histoire de la division et de très, 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 très loin. Allez, c'est parti dans le vaisseau spatial des Power Rangers. Normalement, là, ils doivent être encore plus forts que ce parcours démentiel. On y croit. Allez, c'est parti. Pour l'instant, il y a eu beaucoup d'échecs, mais c'est pas grave. C'est l'heure, enfin, de vaincre cette piste. Allez. Oh, attention, oh, ça frôle déjà. Premier saut. Oui, c'est très, très, très bien. C'est passé pour les Power Rangers. Et là, ils prennent confiance. Et Florian, ils prennent confiance. Mais attention à ne pas avoir trop de confiance. Hein. Alors, attention, ils sont en train de perdre. Oh, ils ont perdu. Oh, c'est 16-19. Mais c'est pas les Power Rangers que j'ai connus dans mon enfance qui vainquaient les plus geeks, qui dénouillaient les plus grands démons. Bah, attendez, pour l'instant, ça tient quand même. Ils se battent, les Power Rangers. Et regarde comment ça fait des dérapages extraordinaires. Ils sont héroïques pour l'instant. C'est fini. Mais pour qu'est-ce qui se passe? Oh là là, pourquoi Paris offre le parcours le plus dur au monde? Il y a 64 milliards d'étapes dans le monde. C'est pas les Power Rangers, c'était Bioman, moitié homme, moitié hosto là pour le coup. Ah là là. À la ligne d'arrivée quand même. Allez, une minute, c'est le meilleur temps pour le moment, Johan. C'est bien, il y a pas allé au bout. Arrivé, ouais. Mais il n'y avait plus rien, dans l'habitacle. Tout a un petit peu, comment dire, là, le carton pâte a explosé. Ça s'est disloqué totalement. Bravo, ce sont des héros, ce sont des cascadeurs, ils sont sauvages. Ils sont des super. C'est savage. Avec caméra, on va le ralentir en tout cas. Ouais, c'est pas très simple. Parce que regardez-moi le parcours. Ça descend beaucoup. Hein. Et comment c'est très étroit. C'est très pentu. C'est très étroit, c'est très pentu. Ça ne supporte pas. Il y a de la pluie, toutes les difficultés du monde réunies en 1 minute 30. Les Stacraps. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un crabe ou pas? Oui, c'est un crabe. J'adore le crabe. Vous en pensez pour le crabe? J'adore les crustacés en tout cas. Et on va voir. En tout cas, pour l'instant, ils font les zigotos. Mais qu'est-ce que ça va être dans quelques instants? Ils vont mal rigoler, à mon avis, sur cette piste extrêmement exigeante aujourd'hui. Parce que la piste, au début, ça paraît facile comme ça. C'est une petite ligne droite. Et après, oui, là, comme ça, on n'a pas cette impression de pente. Hein, mais je peux vous dire, quand on est dessus. Ah là là, on est allé regarder le parcours il y a quelques jours en tout cas. Sûr, on l'a repéré. On est professionnel ou quoi? Allez. Évidemment, il y a eu les essais hier aussi. Allez, et c'est ce parti. Crabe. Allez, ce crabe. Et c'est compliqué parce que là, franchement, regardez, tout l'équipage est sur le côté droit. On se croirait en Angleterre, donc attention, roule à gauche ou à droite. Un manque d'équilibre peut-être. Et voilà, on les roue. Oh, voilà. J'ai peur parce que là, c'est mal fagoté. Il n'y a pas d'équilibre. Ça n'a pas l'air très solide cette affaire. Il y a un moment donné où ça va aller dans le fossé, c'est sûr. Pour l'instant, ça tient. Et ça va même très vite, Florian. Ça va très vite. Attention. Mais ils sont extraordinaires. Attention. Mais la rapidité de dingue. Attention, le virage. Non. Ça passe. Oui, allez. Extraordinaire. Encore un virage pour les crabes. Non, ils ont fini en surimi. Oh, la roue avant a pété. Mais est-ce qu'ils ont franchi la ligne, je crois. Non, ils l'ont pas franchi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La roue a voilé, regardez la roue avant gauche. Ouais, mais regarde, est-ce qu'ils ont franchi vraiment la ligne d'arrivée? On l'a pas bien vu avec la caméra, Mais non, ils l'ont pas franchi, Johan. Ils l'ont pas franchi. Mais après. Regarde, il y a même le radar et tout qui les a flashés. Non, ils l'ont pas franchi. Bah, ils viennent de la franchir à pied, mais non. We were quite fast. Voilà, ils étaient un peu trop rapides. Trop rapides, trop vite. Well, it's in case of fire, you know, it's security. Eh oui, ça a pris feu, rendez-vous contre incendie. Ici à Paris. Et ils n'ont pas touché les fruits de mer de leur travail. Incendie Port de Saint-Cloud, incendie au Parc des Princes. Et regardez-moi ça, ils ne pouvaient même plus regarder à la fin le circuit. Mais ils étaient déchaînés, mais quel équipage extraordinaire. Ils ont fini la course complètement crevette. Et vraiment, sur la ligne d'arrivée, ça a été le crash. Et là, l'animateur, l'animateur qui se dit, mais qu'est-ce que c'est un métier dangereux. Comme nous, dans notre cabine, il y a plein de gens qui viennent nous voir, là, nous perturber un petit peu pour rigoler. Alors, les vendangeurs de Bordeaux. Alors, on est cuve à vin. 27 en créativité. Et ils ne font pas tout ça en vain, je peux vous dire. Oh que non. Mais ça va être même là, je pense que ça va être l'équipage qui va être divin. Boire ou conduire. Qui va avoir le 20 sur 20. Boire ou conduire, on a vu, on va conduire. Mais attention, il n'y a pas beaucoup de roues. Et en général, quand il n'y a pas 4 roues. Il est parti sur une forme de vélo. C'est un vélo carrément, c'est un VTT. Et là, c'est Yann Ulrich. Yann Ulrich et tout. Non, c'est Bernardino. Évidemment, il y a Bernardino qui est parti pour l'instant. Attention, Bernardino avec son tonneau. Attention, c'est très bien, c'est un tonneau de très très haute qualité. Perte de visibilité, oh là là, c'est pas très stable, mais ça passe pour l'instant. La première chicane, c'est très très fort ce qu'il fait parce qu'il a osé. Il a osé choisir un vélo et non pas une voiture, ni un tracteur, ni un. C'est très très bien ce qu'il fait. Ouais. Attention à la glissade. Non. Aïe aïe aïe.
mais il se récupère sur le bord des tonneaux. Il a mis deux petits trous. Et Adrien Dussopt dans la descente, ça t'a contre la montre. Encore descente. Il y a le Tour de France qui se joue maintenant à travers le vignoble bordelais. J'ai très peur pour lui. Ah, ouais. Il est de plus en plus en difficulté, mais il résiste à tout. Il a pris c'est magnifique. Il a pris une bande. Oh, il a pris. Le tonneau, on a fait un tonneau. Et attention à la foule, attention. Regardez, la caisse à savon va arriver toute seule sur son pilote. C'est une première dans l'histoire de ce sport. La caisse à savon va arriver sans son pilote. Il a vendangé l'occasion extraordinaire. Il était quasiment en tête du parcours. Et là, regardez, c'est encore ce Dodan. Terrible. Et la chute qui me fait mal. Heureusement qu'il avait un casque. J'ai très peur pour son omoplate. Une véritable piquette. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ah, le Bordeaux. Bah, c'est un Bordeaux rossé là. Oh non. Et c'est. Il faut l'applaudir, vraiment. Ah ouais. Chapeau et même château, hein, puisqu'on parlait de vin. Oui, il a travaillé, des mois et quoi. J'adore Scooby-Doo. C'est ma série préférée de mon enfance, encore une fois, j'adore. La Mystery Machine de Scooby-Doo. Et quand on aura l'inspecteur Gadget, je veux voir Sophie. Vous pouvez voir l'inspecteur Gadget, Sophie. Et là, qui va là. Regardez Paris. Paris derrière, on voit la défense, on voit l'Arc de Triomphe. Et c'est parti, est-ce que ce sera les Champs-Elysées? En tout cas. Est-ce que Scooby-Doo va arriver au bout? C'est un mystère. J'adore, c'est vraiment notre enfance qui est dévoilée ici. Le coupable, c'était Joe. Monsieur Mitchell, le directeur du lycée. J'adore, à chaque fois ils arrivaient quand même à trouver la solution. Bien sûr. C'était magnifique, et là ça va. Est-ce qu'ils vont trouver la solution pour arriver à la ligne d'arrivée, Johan? Pour l'instant, Scooby-Doudoudoudoudou, c'est fantastique. Pour l'instant, ils sont en première position, au premier intermédiaire, au premier temps intermédiaire, ils sont en tête. C'est pas mal, Scooby-Doudoudou. Là ça va l'air d'aller très très vite, mais ça va à 350 000 à l'heure. Mais c'est une fusée spatiale. Ils vont remporter la compétition. Ils vont l'emporter. C'est un sacré 42 secondes, bravo à Scooby-Doo! Scooby-Doo qui n'a peur de rien, c'est une légende qui n'est pas. Scooby-Doo, I love you! Vraiment, un parcours qui a du chien, et là regardez-moi ça, il a résisté! Ah, génial! Mais regardez-moi! La Mystery Machine! Le pneumatique a tenu! Quel délice, les beignets, quel délice! Tout le monde est arrivé au bout, hein! Vera, François, Scooby, Samy, panique au labo! Cours de science. Attention, je ne veux qu'aucun virus ici ne quitte les lieux, ne s'enfuit de ces lieux. Fermez les portes à double tour. On ferme tout. Et regardez-moi ces sourires, regardez-moi cette foule, des Parisiens, des Bretons, des Alsaciens, des Marseillais, toute la France est réunie ici pour ce Grand Prix international de caisse à savon. Allez, c'est parti pour Panique au labo, 38 en note artistique. Et là, regardez-moi ces formidables laborantins, ces formidables ingénieurs. Ce virus géant, c'est de la chimie. Regardez-moi, ils ont leur blouse et ils ne vont pas se faire laisser blouser par ce parcours. Mais attention, la pente, ça y est, terrible. Allez, les petits chimistes. Ça va de plus en plus vite, c'est ribouledingue. Attention, c'est très très bien ce qu'il faut. Ils ont le sourire en tout cas, mais ils ont un petit peu peur quand même. Regardez-moi, j'ai tellement peur. Il y a tellement de vaccins qui est en train de se construire pour sauver l'humanité. Le virage. Très très bien. Entre 40 et 45 secondes, je pense. Peut-être qu'il faut obtenir le choc encore. C'est bien. Les candidats qui, au fur et à mesure, prennent le plus de ce parcours et de cette descente. Très très bien. Je vous avais dit. Magnifique, magnifique. Secondes. C'était un véritable tube à essai. Et voilà, il y avait la physique, il y avait la chimie, il y avait la biologie. C'était parfait. La science avance, elle a bien avancé. La police du Chil. La police du chill, on va chiller. Je crois qu'il y a des frangins, il y a des cousins. Ouais, c'est une histoire de famille et de potes. Ils vont essayer de chiller à la cool. Regardez-moi cet enfant, peut-être qu'un jour dans 30 ans, on le commentera ce gamin. Parce que là, il est en train d'en prendre plein les yeux et il est en train de se construire des rêves. Et c'est parti, à toute berzingue, à toute vitesse, il y a du champagne, il y a des bulles. Et regardez-moi, on est dans un jardin extraordinaire ici, on est dans un formidable endroit. Allez, 200 mètres de course seulement et c'est parti. Les fofs sont lâchés, les bulles qui coulent à flot pour l'instant, c'est très très bien. Ils arrivent à garder la bonne rotation. Terrible chute. On a sabré le champagne, Allez, on va remonter dedans. On a crié victoire trop vite. Ils étaient très 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 bien partis, mais il suffit d'un rien. Une petite débarcation. Le champagne est éventé, Johan. Oh là 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 là, c'est terrible. Ah non, et on va finir au Diabolo là. Le Diabolo les a mangés. Regarde ce qui s'est passé. Ah, on n'a pas vu, on n'a pas la bonne caméra là. Oh là là, terrible. Ils étaient parfaitement lancés, je crois qu'il y a un problème de roue. Terrible. Oui, il y a du monde effectivement. Toujours à Paris pour cette course de caisse à savon avec Aladdin et son tapis roulant.
Et on va espérer pour eux un rêve bleu. Mais je n'y crois pas. C'est merveilleux. Est-ce que ça va être un conte de fées? Est-ce qu'ils vont avoir la bonne fumée en tout cas? J'espère que ça ne sera pas un tapis violent pour eux et qu'ils vont rallier la ligne d'arrivée. Oh là là, ils sont comme là, c'est vraiment, comment dire, il y a quelqu'un qui est debout, il y a quelqu'un qui est assis. Ça me paraît très très compliqué pour arriver au bout, mais ils prennent tous les risques. Regardez-moi ça. C'est ton jamais. Et là, c'est vraiment une cascadeur. C'est Jean-Paul Belmondo, le retour de Bébel. Ah, c'est Jasmine. La tour de Bébel. C'est Jasmine. Et c'est magnifique. Parce que franchement, s'il fait la course comme ça, j'ai très très peur pour lui. Il a raison de s'asseoir un petit peu. Ouais, Jasmine, parce que tout à l'heure, ça va dévaler les pistes. Ils ont même pas de protection. Mais comment il fait? Ah, mais comment il fait? J'ai peur pour lui. Il va se faire projeter. C'est du génie. C'est du génie d'Alanin pour le moment. Mais attends, j'ai peur. Il va tomber. C'est pas possible. Mais non, il va pas tomber. Mais regarde, son casque ne sera pas suffisant s'il y a une chute sur le bitume. Ça tient, ça tient. On va pas lui porter la poêle. Le tapis est magnifique. Oh là, j'ai envie de dormir sur ce tapis. J'ai envie de faire une belle nuit grasse. Et en tout cas, ça dévale la pente et c'est magnifique. Ils sont spectaculaires. Il a même très très peur. Il arrive à tenir le choc. C'est fantastique. Fantastique. Ah, oui. Moins de 35 secondes, je pense, peut-être. Ah, 53. C'est le comprendant, là, Yvan. Je me suis resté endormi. Il y a 20 secondes de sieste. Vous avez fait une micro-sieste, écoutez. Faut croire. Bon, écoutez, en tout cas, ils sont arrivés au bout. C'est pas le cas de tout le monde ce soir. Donc c'est déjà une première victoire. Regarde, il a même, il sautait même sur ce tapis volant. 53 secondes de pur bonheur. Alors là, ils sont déjà complètement défaits. Eux, ils sont totalement défaits. Et quand ils scannent, ils ne savent même pas vers quoi ils s'avancent. Parce que là, la piste va être terrible et ils sont à moitié libre. Cocktail, grise. À volonté. Tom Cruise. Allez, on les applaudit, on leur donne du courage. Allez, allez. Regardez-moi ça. La poussée. Il y a 8 grammes d'alcool dans le sang déjà. Ça commence à faire déjà avec attention modération. À dériver. Ouais. Et c'est très bien. Et on y croit. Ils arrosent la foule. Allez, un petit peu de... C'est bien arrosé. Tout ça est bien arrosé, mais il va falloir un petit peu de modération au niveau du pilotage. J'ai peur des roues. Les roues sont toutes petites. Ouais, les roues fines. Et attention quand les roues sont fines. Attention. Il résiste à tout pour l'instant. Il va falloir un alcotest. Ouais, et pour l'instant, ils arrivent en tout cas. Ah non. Non. Et ils finissent tête à l'envers, sur le toit. Ah bah c'est plus une caisse à savon. C'est un samedi soir en Bretagne, je peux vous dire, Nord Finistère. Ah bah c'est un shaker, hein, c'est un shaker bien secoué. Ah, ça me fait mal au cœur quand même, parce que regardez-moi ça, ils ont pris du temps. Ils avaient collé des sièges qu'ils ont empruntés à la salle des fêtes du coin. Exactement, il va falloir les rendre maintenant, parce qu'on en aura besoin pour la kermesse. Et la pluie qui est terrible ici. La pluie battante, oui, ça n'aide pas du tout, hein, parce qu'il y a... C'est tellement glissant. Mais ils ont du courage, hein, Florian, parce que nous, on est là. Ils sont héroïques. Ah, on est au sec. Il faut aller au sommet. Allez, on franchit la ligne d'arrivée. Il faut aller au sommet du color catégorie. 1,28 pour avoir la chance d'être dans le classement général final. Ah ouais, ouais. Parce que là aussi, déjà, le virage est terrible. Et déjà, il y a en plus ce terrible petit dodan, cet obstacle-là, en vert, qui les rend vert. What happened? We don't know. Maybe... The break, well. Ouais, ils savent pas ce qui s'est passé, un problème de freinage, on sait pas trop. I mean, it was an incredible crash. You left every drink on the track. Yeah, exactly. I think maybe you've earned yourself a drink now, anyway. I think so. You'll have to go find another bar. Something. Okay, well done, guys. Congratulations. Cheers to that. Save me one when I finish work. Back to you, Darren. Hey, Dr House, Johan, c'est Dr House. Ah, j'adore. Hey, c'est une de mes séries préférées, mais vraiment, avec Grey's Anatomy. J'adore ce médecin, parce qu'avec son histoire d'amour avec Cuddy, là. Ouais. Mais ils s'aiment. Ils n'arrivaient pas à s'aimer, ils s'aimaient, mais ils s'aimaient trop, pas assez. Il y avait un problème, et lui, il résout tous les problèmes. Donc, normalement, si cet équipage est fidèle à Dr House, ils vont gagner la compétition, et largement, et ils vont résoudre l'énigme de cette descente. C'est un lit d'hôpital avec une perf, pour espérer justement faire une jolie perf à l'arrivée, avec une infirmière. Et franchement, c'est Cuddy qui est derrière, et on y va maintenant, et on avance. Allez, il arrive à résoudre tous les problèmes de l'humanité, même le premier plus saut. Il a réussi le premier diagnostic qui est très très bon. Et on arrive à trouver la solution. Déjà le patient a un petit peu moins de fièvre. Ah ouais, le docteur est pas trop maboule pour le moment, ça tient le choc. Et regardez, et Dr House qui est motivé, évidemment extraordinaire. Dr ça House bien, qui manie parfaitement le freinage. Aussi on arrive pour l'instant bien, il a la jambe dans le plat. Il gère bien sa vitesse et il va arriver jusqu'à l'arrivée. Et bien franchement, attention à ce virage. Allez, terrible, magnifique, ça va. Formidable candidat, formidable concurrent. Moins de 35 secondes je pense. Oh, 46,63. Ouais. Mais un très bon temps quand même pour Dr House. Franchement, 100% de réussite. Très très bien, ils ont pris les virages à la perfection. Ouais. Le volant était nickel. Il y avait urgence et ils sont arrivés très vite. Bravo à eux. You look like you're feeling a lot better. You sure? Are you sure? Ouais. Est-ce que vous êtes sûr que ça va mieux? Non, that je suis pas sûr. A sick run. How did it feel?
It was great. Wet. C'était humide. You're incredibly brave. J'ai adoré cette attelage, cet équipage. Et c'est très, très, très bien. Il y avait de la fantaisie, il y avait de la créativité. Et l'infirmière. On a tous besoin de cette corporation extraordinaire, les infirmières, les soignants. Les soignants. On pense fort à eux en ce moment, en tout cas. Et on les remercie. Tout ce travail depuis plus d'un an. Notre façon à nous d'être là, les aider aussi, c'est de les divertir avec ces cours. Et même les infirmières, bien sûr, sont dans les caisses à savon. Oh, les marsupilami. Alors, c'est Imalipus Ram, c'est marsupilami à l'envers. Hein. Donc, les marsupilami, ben, on espère pour eux qu'ils vont pas se retrouver la tête à l'envers. Ça voudrait dire qu'ils ont eu un crash. Et attention à la tête à queue. Attention, ben, surtout, vous avez vu la queue du marsupilami. Il y a de quoi faire. Hein. C'est compliqué. Faut pas se la prendre dans les roues. J'espère que ça ne sera pas tire-bouchonné. Allez. Le départ est déjà un petit peu compliqué. Il faut déjà prendre la bonne trajectoire, la ligne droite. Le marsu est parti. Ça va pas si vite pour l'instant. Pour l'instant, ça va assez vite. Mais attention. Et attention à la gaffe, comme dirait Gaston. Attention, et là, c'est même gazon la gaffe. Oh là 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 là, il y a de la fumée. Oh, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il peut aller très très loin. Il peut se réveiller. Ouais, mais il va et pour l'instant, non, mais pour l'instant, il est collé au sol. Il va aller loin, mais il va mettre du temps pour y aller. Et regardez la dame là qui n'y croit pas ses yeux. Je me demande s'il va arriver à l'arrivée avant la nuit, Johan. Oui, ça y est, il va être lancé maintenant. Il va être lancé. Il va franchir là. Ça rame. Qu'est-ce que c'est lent. Attention, on peut pas avoir tous les talents du monde. Et regardez là, ça y est, la piste va dévaler maintenant. Il va prendre enfin la vitesse. Il serait temps d'arriver parce que tout à l'heure, on va fermer l'éclairage et on va tous rentrer à la maison. Et lui, il sera tout seul sur son circuit comme Michel Blanc. C'est très très bien ce qu'il fait pour l'instant. Ça y est, il prend enfin la vitesse. Attention au virage. Non ! Et non, il n'était pas habitué. Florian n'était pas habitué à la vitesse. Oui, mais il allait à 2 à l'heure pour l'instant. Il a pris l'accélération. Oui, mais Johan, c'est un tête à queue de marsupilami. Voilà. Donc c'est logique. Et il se remet bien, il repart. Deuxième tête à queue, il est là pour s'amuser. Ouais, mais il le gère bien, il va aller jusqu'à l'arrivée sans doute. Oh là, très beau saut. Mais attention, ça commence. Dernier virage. Oh, il a encore un tête à queue. Troisième tête à queue, il va peut-être finir. Il va peut-être finir. Non, mais il va vraiment finir, mais franchement, il gère très bien les têtes à queue, c'est pas ce qu'on lui demandait, mais il le fait. Regardez un petit peu son. Il y a de la casse en tout cas, mais ça arrive Ça arrive au bout, bravo. Et bah, magnifique. Ouais, superbe. Marsupilami. Il y a toujours un problème de voyelle. Voilà. Et là, regarde, ça c'est un petit peu. Ah, le bois s'est décroché. Jungle speed. Et bah, c'était ni jungle ni speed. Non, ça c'est clair. I'm not gonna lie, the start of the run was quite slow and I thought, well, at least. Ouais, vous avez démarré doucement, puis au fur et à mesure, vous avez pris de la vitesse. And then you gave us not one, not two, but three spins. Voilà, et trois spins, trois demi-tours. I lost control. Et ouais, j'ai perdu le contrôle, j'ai essayé de me rétablir comme j'ai pu et j'ai repris la route et je suis arrivé. Little pirouette and then you were straight again and go okay, I'm going to keep going and then you did it again. Yeah, I love it. Ouais, ça a été oups, I did it again comme dit Britney Spears, il a recommencé à faire ses têtes à queue. Mais il est arrivé, bravo à lui. Back to you, Darren. Super rêve de gosse avec une demoiselle charmante et tatouée. Il y a de la classe. Il y a du très beau. Regardez ces beaux tatouages, j'adore. Vraiment très très. Et c'est des vrais très 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 beaux. C'est des vrais tatouages, parce que vu comme il pleut, sinon ça passerait. Ouais, c'est de l'art, c'est de l'art. Le tatouage. Et là, regardez-moi ce parcours encore qui est vertigineux. Et là, j'ai très 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 peur avec en tout cas. Cet avion, ce biplan. Est-ce qu'ils vont s'envoler? Est-ce qu'on va s'envoler avec eux? Est-ce qu'on va vivre un très très bon moment? C'est parti, il a poussé, ça part assez vite. 38 en note artistique. Il va falloir que la mécanique tienne. Ils ont fait de l'essence juste avant, ils ont mis le kérosène, ça devrait les aider. Attention. Et on est avec eux de tout cœur. Allez, la première chicane, le premier saut, voilà. Normalement, ça va s'envoler. Donc normalement, cet habitacle est fait pour la gagne. Allez. Et fait pour faire une énorme prestation. Toujours cette descente au parc de Saint-Cloud. Oh là 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 là. C'est un petit peu hésitant pour l'instant, mais ça franchit les obstacles. Et n'oublions pas, c'est marqué rêve de gosse sur l'habitacle. Il faut aller au bout de ces rêves de gosse. Oh, le rêve. Ah, le caméraman qui est touché au foie. Oh, le rêve qui vire au cauchemar. Oh là 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 là, regardez. Non, mais c'est pas possible. La réception, ça a brillé. Cet habitacle est assassin. Ce dodan est assassin. J'aime pas cet obstacle. Parce que tout allait bien jusque-là. Terrible. Et là, il y a quoi? Quelques centimètres d'obstacle. Ah, mais regardez, c'est les deux roues avant qui ont vrillé. Là, voilà. Oh, c'est très dangereux, cette tête qui s'écrase. Terrible. Heureusement que vous avez les casques. Casque d'or. Ils sont des héros. T'as vu, ils boitent un petit peu. Bravo à eux. Team Top Girls. Ah, le Spice Girls, ça nous. Ah oui, pour cette. Course de caisse à savon dans le domaine du parc de Saint-Cloud à Paris.
elles n'en font en tout cas qu'à leur tête parce qu'elles sont regardées, elles vont prendre des risques absolument extraordinaires. Elles vont pas se dégonfler, Johan, c'est parti. Et attention, c'est le numéro 51, souvent qui porte bonheur au Tour de France. Et c'est parti, allez les filles. Allez, demoiselles, on y va. Mais j'ai peur en voyant les roues, Florian. On les connaît, ces roues. On a l'expérience maintenant. Ah, ça c'est sûr, c'est pas les roues les plus solides du circuit. Mais elles tentent l'impossible. Et c'est ça dans la vie, il faut croire en ses rêves. Même si tout à l'heure, les rêves se sont déchiquetés contre le bitume. C'est parti, regardez, il y a ces ballons de baudruche. On fait la fête, la visibilité, c'est la joie, la visibilité, c'est le paradis. Pas terrible, hein, Johan. Et c'est la bille, c'est la boum du samedi soir, c'est Sophie Marceau. Ah, la visibilité est un peu limitée dans cette caisse à savon là, mais pour l'instant ça passe. Pour l'instant, il y a Pierre Brasseur qui attend évidemment à la fin de la boum. C'était Claude Brasseur. Au pied de la boum, oui, Pierre, Claude, regardez, c'est magnifique. Elles font la fête. Ouais, bravo les filles. 56-83. Girls. Ah, je suis content pour elles. Vraiment, je suis très très heureux pour elles. Elles ont pris beaucoup de risques. Regardez, c'est Bricomarché, c'est Bricorama. Et oui, elles ont fait des courses. Et d'ailleurs, il y a ce type de magasin en bas de chez moi. J'y vais souvent, je prends des râteaux. Et elle n'aurait pas arrivé des bricoles. Et les ballons s'envolent, les ballons de l'espoir. Le rêve, l'hélium. How was that for you? It's amazing, it's very amazing. Ouais, c'était incroyable, on s'est éclaté. Yeah, it was a fantastic run. Contrairement au ballon. It looked quite fast, did it feel fast for you? Vous aviez l'air très rapide, hein. I don't use the frein. C'est charmant, c'est l'accent français, c'est Paris, c'est l'amour. Elles n'ont pas usé les freins. Ouais, mais des formidables candidates. Bravo les filles. On n'a pas leur prénom, on n'a pas réussi à savoir leur prénom. Et on n'a pas leur 06 surtout. Mais surtout, il y a du talent, du courage. Vive la France. Merci, mesdames. Gorgeous, wasn't it? Oui, c'était gorgeous. Et voici les givrés. Eh ben, il y avait les musclés dans notre enfance. Il y a les givrés. Il y avait le framboisier. Et bien maintenant, il y a les givrés. René, pauvre René. Ah, le René. Il a quitté René. C'était absolument. Il y avait. On salue évidemment aussi. Bah, toujours encore et encore Dorothée. Bernard Minet. Formidable Ariane. Et là, c'est les givrés. Et là, attention. Et Jackie. C'est Jackie et Corbier. Et allez. Là. Oh, une chaussure de ski géante. C'est les bronzés. Et c'est la piste. Alors, ça les bronzés à Saint-Cloud. Il me paraît très, 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 très haut perché. Oui. Cet engin pour arriver au bout. Oui, et regardez l'empattement des roues pour passer les chicanes. Ça va être compliqué. On leur donne du courage. Il va leur en falloir du courage. Il n'y a même pas les 4 roues pareilles. Ils avaient un problème de budget. Ouais. Et ils n'ont pas eu le temps de colorier et les dernières roues. C'est les bronzés font de la caisse à savon. Just because of you. La 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 la. Musique de Pierre Bachelet. Allez, on déballe la pente. Allez. On est tranquillement dans les Alpes. On est dans la Tarentaise. Et c'est magnifique ça. Il y a beaucoup de neige. Il y a beaucoup de monde sur les pistes. Ça y est, c'est la fin du Covid. C'est très très bien. On continue d'avancer maintenant. Allez. Ils sont en train de ménager leur monture. Et c'est très 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 bien parce que pour l'instant, c'est un rythme absolument beaucoup trop lent. Mais peut-être vont-ils arriver au bout. Hein. Allez. Pour l'instant, on est sur un. Non, encore. Oh, la glissade de la chaussure qui se disloque. J'allais dire qu'on était sur un rythme de piste verte. Et là, mais là, franchement, encore ce Dodan. Oui, mais vous voyez, l'empattement des roues là est un peu un. Et regarde, est-ce que même ils ont craqué avant même. Ouais, mais y a une roue. Ah, il a refusé l'obstacle. Il a eu peur, il a flippé. Mais on comprend parce que moi j'aurais très très peur aussi, Florian. Et regarde, il garde ça. Il arrive au bout, évidemment. Encore une fois, ce sont des leçons de courage, des leçons de savoir-vivre. Ne pas s'arrêter à la première difficulté. Jamais. Was that good fun? Yes, it's a very good fun. C'est un très bon divertissement. Un bon divertissement. Bon éclat. What happened? We start to slide. Ils ont commencé à glisser, à déraper, et ils n'ont pas réussi à se récupérer. J'adore le pull, en tout cas, j'aimerais beaucoup le même. Ah, et le monsieur aurait pu faire très, 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 très mal. Et regardez, il garde le sourire, le monsieur en bleu. Et le smile, toujours le smile. You'll be back next time. Go and enjoy the. Allez, ils reviendront une prochaine fois. Bravo les gars, bravo les Savoyards. Allez. Drum Team. Ah, le jeu de mots magnifique. Ah oui, entre la batterie et le rêve. Magnifique, la foule qui est là, la foule parisienne. La France est heureuse d'accueillir. Qui est venue nombreuse, bien sûr. Ces courses de caisse à savon. Et regardez cette batterie ambulante. Et là, avec cette eau, c'est vraiment baf. C'est baf. Allez, c'est parti. Oui, il va vite, il va très vite. Il va très très vite. Ça semble incontrôlable. Et il joue de la batterie en jouant. Et bien, c'est magnifique. Il a peur de rien. Ah oui, il y a un pilote, heureusement. C'est un formidable concert. C'est magnifique, faites-nous rêver. Peut-être un concert de louange à l'arrivée, Johan. On est à l'Olympia, on n'est plus au Parc de Saint-Cloud. Allez, pas de fausses notes, allez. C'est Bercy, c'est la scène musicale qui n'est pas loin. Et il n'y a pas de playback, je peux vous dire. Ah non. On chante plein de tubes. C'est du live. Oh, ça, c'est magnifique. Oh là là, la vitesse est extraordinaire. Oh ouais, c'est insensé. Pour remporter la compétition. Oh, ça compte. Ouais. Moins de 45 secondes, c'est sur 37. Ouais. Extraordinaire, oui. C'est fantastique. Oui. Are the champions, my friend. Marseille,
93, héroïque, extraordinaire à l'entrée du parc de Saint-Cloud. Mais ici c'est Paris, ouais, non. Et regardez, c'était pas une caisse à outils, c'était une caisse extraordinaire de batterie. Regardez-moi ce saut fantastique. Les rockers, du rock, du roll, du rock'n'roll, et du rock'n'roll. Du drum au dream, le rêve qui se réalise. Sans doute tous les chemins vélodromes, on le sait. Hein. Ah, oui. Le vélodrome, c'est un vélodrome. Exactement. Bien dit, Johan. Et même la batterie. Mais franchement, ils sont allés à une vitesse insensée. Ah, ils parlent pas anglais, mais moi non plus, on parle pas anglais. Quel solo de batterie de dingue. Alors là, c'est quoi c'est... Alors, c'est des girafes. Eh oui. J'ai jamais vu des girafes comme ça. Bah écoutez, ce sont des girafes avec un long cou. Quelle vie on mène. Allez, attention, on est dans une voiture, tout simplement. Là, c'est la science. On a fait simple, C'est la technologie française, Florian, c'est très important. Ah, c'est une marque allemande, mais enfin, en tout cas, voilà. Oh, la chaîne de télé, ami. On n'est pas concurrent, on est amis, la chaîne d'équipe. Eh oui, ils ont peut-être mis le turbo, c'est pour ça que ça va vite. Ah là 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 là, attention. Ah bah, j'adore. Ça dévale les pistes, c'est très bien. Mais attention, il y a quand même des failles, j'ai l'impression déjà qu'il y a des fentes. Il y a une roue. Oh là 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 là, ça fait beaucoup de bruit. Il y a une roue qui m'a l'air pas très solide. Ça crisse puisque ça glisse. Ah, voilà. Il a pas de roue. Mais la roue arrière gauche. Oh, il va finir sur trois roues. Incroyable. C'est héroïque. C'est héroïque. Quel pilote. Il n'y a plus de roue. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'il arrive au bout. Non, il arrive pas. Non. Il a tout perdu, mais pas ses illusions et pas ses. Il garde son sourire. Je vous l'avais dit. Il pourrait y avoir un monsieur comme pour l'aider quand même. Eh oui, c'est un deux roues là. Les grandes girafes, les grandes Sophie. Je vous l'avais dit, Johan, qu'au niveau des roues, ça me semblait fragile. Et Florian, on a vu, il y a eu le Dodan. Et aussitôt après le Dodan. Regardez-moi ça. Regardez. Et la roue arrière et qui voilà. Explose. Il y a 4-5 Dodan. Mais le choc, elle est retombée avec la vitesse. Les gens qui ont construit ça n'aiment pas la vie. Ils n'aiment pas la justice. Ils n'aiment pas le sens du spectacle. Ils sont là pour briser des rêves et moi, j'aime pas ça. Ah oui, ouais, écoutez, je sais que vous combattez toutes les injustices. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être un problème de conception aussi sur la caisse à savon, tout bêtement. C'est jamais toujours la faute des autres. Regardez-moi, il y a les roues partout. C'est une grande n'importe quoi. Brice Sardin. Ah, les Bretons. Ah, c'est pour les Bretons, les gars, Grand-Pen et les Papoulet. Les derniers concurrents. C'est pas vrai, la Bretagne pour finir. Le fin du fin. Ah, ils ont les caisses à savon. Vive la Bretagne. Ils ont les caisses à savon. Vive les Bretons. Et là, ça va être un grand spectacle. Ils sont extraordinaires, ils sont préparés. Allez, c'est les mouettes qui poussent. Allez, les Bretons, allez, les mouettes, allez, les huiles d'Ouessant. Allez, on est sur de la sardine. Allez, l'Orient. L'Orient Express, regardez-moi, c'est un Orient Express extraordinaire. Et regardez-moi, dans la bétaque, ils sont motivés. Ils ont la niaque, ils sont déchaînés, ils vont tout déchirer maintenant. Allez, cœur de Braise. La Bretagne qui réclame pour l'indépendance. Cœur de Braise. Et c'est magnifique, en tout cas, du beurre de micelle, évidemment. Ah, ouais. Allez, la Bretagne. Allez, Miss France. Allez Miss Bretagne. Allez, les thons, allez, les sardines, allez, les poulets. Oui, ils se sont rattrapés. Miracle Breton. Et regardez-moi ça, ils ont perdu de roue. Oh là là, c'est le fini. Le crash. Oh, j'ai vu le loup, le renard et la gamelle. Oh là 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 là. Oh, non, ça repart. Le Breton est têtu, Johan. Ah, le Breton explose. Le Breton est bourré, surtout. Un tonnerre de Brest. Le Breton est déchiré. Tonnerre de Brest. Allez, Brest. En avant, Gagan à pied. Allez, c'est fantastique. En arrière, quel Gagan. Quel courage. Bravo, Breton. 59 secondes. Mais c'est bien, Johan. J'adore, c'est un immense foutoir. Allez, c'était les derniers concurrents de cette course de Je pensais bonne comme une sardine bretonne. J'ai vu des sardines un peu meilleures quand même, mais on s'est amusé, ils nous ont fait rire. C'était les derniers à passer, on ils va découvrir le classement général final, mon cher Johan. Et après, on continuera à commenter tout ce sport. Bien sûr, regardez cette piste impressionnante dans le parc de Saint-Cloud à Paris. Alors, troisième, le bon génie Aladdin et son tapis roulant. Tu te rends compte un peu, alors qu'il était debout la première partie de la course, bravo. Numéro 2, Panique au labo, les scientifiques et leur virus. Et les numéros 1, la team de la batterie. Le groupe de rock. Ah, ils ont été impressionnants, incroyables, les plus rapides. Bravo à eux. La voix qui est rock, mais la course légère. Ils ont trouvé The Voice vers la victoire. I have a good feel with the car. Oui, j'ai eu un bon sentiment avec la voiture. Je traduis en français à un mec français qui parle mal anglais. C'est ça, c'est le délire, c'est n'importe quoi, c'est sur la chaîne l'équipe. Bravo, merci d'avoir été avec nous. Bravo à eux et bravo Florian à tous ces candidats extraordinaires.
à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne L'Équipe pour une nouvelle course de caisse à savon. Comment ça va mon cher Johan? Coucou Florian, et on va encore se régaler. Alors on va se régaler, il va y avoir des caisses à savon, il va y avoir des gamelles, il va y avoir des virages, il va y avoir d'accélération, il va y avoir du spectacle, du suspense. Qui va remporter cette course? Aujourd'hui nous sommes en Hollande à Valkenburg, dans la banlieue de Maastricht. Vous vous souvenez du traité de Maastricht? Bien entendu, extraordinaire, l'Europe. Et voici le détail du parcours, le départ, on aura un premier saut, le kicker qu'on va prendre à toute vitesse, donc ça peut faire déjà des dégâts. Ensuite, on va enchaîner un peu plus loin par une chicane, chicane, comme on dit en anglais, puisque c'est un mot un petit peu universel. On continuera ensuite avec ce qui restera de notre caisse à savon, si elle a tenu le coup. On aura un Dutch Hills, une sorte de petite rampe, un petit saut pareil qu'on va prendre à toute vitesse. Ah, ça peut faire des dégâts tout ça. Avec peut-être un petit peu d'eau au milieu, des fois ils mettent un petit peu de flotte pour se rafraîchir. Et puis un dernier virage, un curvé et la ligne d'arrivée. Je vous garantis que tout le monde ne la verra peut-être pas, mon cher Yann, je préfère vous dire. Les pailles vont souffrir, les bottes de foin vont souffrir. Ah oui. Et on va commencer avec la première équipe aujourd'hui en Hollande. Ce sont des éléphants, les Ornifant, voilà. Qui ne vont pas forcément tromper énormément. On va voir ça, vous connaissez le principe. Les caisses à savon, chacun construit la sienne. On doit avoir 4 roues, un volant, pas de frein, pas de moteur, enfin un petit frein à main, pas de moteur, rien d'autre. Et puis un jury qui évidemment donne une note artistique pour la décoration, pour l'imagination. Et cette note, elle sera comptabilisée avec le temps à l'arrivée de la piste pour déterminer le vainqueur aujourd'hui à Valkenburg. C'est parti pour cette caisse à savon. Et les fantasques, ça part pas hyper vite, hein. On peut pas dire qu'on est-ce que ça passe déjà le premier? Ça passe à la. Ça passe la chicane. Un petit peu la chicane. Il y a un monde fou, Florian, incroyable. Évidemment, il y a un monde fou également qui nous regarde, Johan, sur la chaîne L'Équipe, la chaîne des courses de caisse à savon. Alors, pour l'instant, on a passé, on va atteindre le premier saut. Le voici. Le premier dos d'âne, un premier dos d'éléphant. Et ça. Et voilà, et ben, l'éléphant a perdu ses oreilles, hein. Il reste plus que les défenses. Problème de défense, comme souvent en football. Ça le passe, virage d'un curve qui passe. Un éléphant sans les oreilles, finalement, c'est plus vraiment un éléphant, Yann. Hein. Et il sourit pas énormément. On dirait un cochon avec des cornes. Allez, le grand encore en saut, ça passe. Et 59 secondes, 64. Ce sera notre temps de référence, on le note. On va voir si ça... Voilà, on va récupérer la tête de l'éléphant pour lui rendre, hein, quand même, parce que bah, ça peut lui servir. Part of your car, but that is irrelevant. How much fun was that? Terrific. Voilà, il s'est éclaté. C'était superbe. On the impact, then? Par contre, c'était quand même un éléphant licorne, parce que moi j'ai déjà vu des éléphants dans ma vie. Ils n'ont pas de cornes sur le dessus, les éléphants. Hein, ou alors c'était une petite fantaisie qu'on a rajoutée. Ouais, écoutez, pourquoi pas. Ah, la biologie, hein, ça évolue. Ah oui, c'est une mutation de l'éléphant. C'était un éléphantolicorne. Crash test de mise. Bah, ça, c'est le nom de ce bonhomme qu'on utilise pour les crash tests. Et donc, alors, mais là, sauf que là, c'est des vrais, c'est pas des mannequins, c'est des vraies personnes. Impressionnant, impressionnant attelage. 36 en note artistique. Et c'est parti pour cette caisse à savon avec les crash tests de mise. Alors, on est sur trois roues. J'aime pas trop les roues fines. On sait que généralement, ça pète au premier saut. Et là, finalement, elles se sont redressées, elles se sont remises d'équerre. Ouais, hein, pour l'instant, ça tient, ça vibre un peu. Hein, jusqu'à quand? C'est bon, alors la chicane, ça va plus vite que l'éléphant de tout à l'heure. Hein. La vitesse est impressionnante. Ouais, ouais, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation parce que parfois, quand on arrive sur les sauts, on voit qu'il freine un petit peu. Attention, attention, ça. Oh, voilà, ben, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Vraiment, mais ils peuvent pas se rendre compte avant quand même que c'est quand même très risqué cet attelage et on voit que les roues fines comme ça ont du mal à tenir. Ça lâche avec l'impact du choc quand on fait les sauts et ben voilà, on se retrouve à terre. Les crash tests de mise qui ont vraiment crashé. Mais ils continuent évidemment, personne n'abandonne jamais. Et là il y a l'ingénieur en chef. Oui, bah, qui se rend compte qu'il s'est complètement foiré. Hein. Voilà. Évidemment. 1 minute 29, forcément, bah, à pied ça va moins vite qu'en roulant. Ah, on va l'aimer ce monsieur, on va l'aimer. L'idéal papa team, un bébé. Enfin bébé. Un bébé de 54 ans. Ouais, c'est ça. Mais qui a peut-être déjà des couches. Mais hein. Nous sommes tous de grands enfants, évidemment, Florian. Oui, puis finalement, quand on est enfant, on met des couches. Et puis quand on devient âgé, ben, on remet des couches, finalement. C'est un cercle vertueux. Et c'est parti pour ce papa-bébé, ou ce bébé-papa, accompagné par sa nounou. Alors, on est dans une poussette. Eh ben, là, oh. Ah ben voilà, on était dans une poussette, pardon. Excusez-moi, j'ai mal conjugué. Extraordinaire, extraordinaire. Le landau a volé en éclats. Quel gamin. Mais il est heureux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé là. C'est la réception. Ah ben non, il n'a pas réussi à tourner. Il n'a pas réussi à tourner après ce dos d'âne. Ben non, mais surtout, il a voulu prendre la chicane, mais il ne l'a pas prise du tout. Donc, il y avait un bébé à bord. Ben, il n'y a plus de bébé à bord du tout. Talk us through that.
Well, we jumped very high and we came down. Ils ont sauté très très haut et du coup ils ont pas pu tourner à temps. Ils ont pas réussi à tourner. But we always said if we go down, we go down big. You certainly did. You comme ils disent, really quand on tombe, nous, on tombe fort. Ah, ils sont tombés fort, mais il était rempli. Est-ce qu'il a rempli la couche? Avec son popotant, en tout cas, oui. Heureusement qu'ils ont des casques, hein. Heureusement qu'ils ont des casques très souvent. Bah, c'est pour ça aussi les bottes de paille, évidemment. On rigole, mais on fait attention quand même. C'est des vraies courses de vitesse, hein. C'est des courses d'endurance, de fond. Donc la sécurité est prise en compte. Alors, sur cette nouvelle caisse à savon, on a une note artistique 48, c'est très bien. Là, c'est vraiment une kermesse, hein. On se croirait en Belgique, évidemment. Fantastique, on dirait du vélo. Et là, regardez cette fusée incroyable. Et lui, il va tout exploser normalement. Alors, une fusée. Mais est-ce qu'elle va vraiment décoller cette fusée ou est-ce qu'elle va se ramasser? Oh, le premier saut, ça passe très vite. Attention, la chicane. C'est incroyable, le radar explose là. Oh là là, ils ont été flashés par le radar. Ça va très vite, très vite. 1250 à l'heure, la attention. Chicane. Attention, autre chicane. Ouais, pour l'instant, ça pilote bien. Oh, ouh là là, extraordinaire. Il a failli planter le virage incurvé, dernier virage. Oh, on a eu chaud. Et voilà, 32 secondes, meilleur temps, Johan. Mais vous avez vu, hein, lors du fameux Dutch Hills, cette sorte de rampe incurvée, il est retombé sur l'avant. Ça aurait pu regarder là, regardez, c'est extraordinaire, ouais. Ils ont réussi à tenir. Ouais, parce que j'ai cru qu'il allait basculer de l'autre côté et se mettre sur le toit. Plus fort que la vitesse de la lumière. Well, it felt incredible. It was going so smooth. Ouais, ça s'est bien passé, mais enfin j'ai l'impression quand même que ils ont eu très chaud. Well done. Well done. Allez, on continue cette course de caisse à savon à Valkenburg en Hollande avec le Zeebijvlei. Alors c'est une spécialité culinaire apparemment. Johan, tout ce qui est nourriture, je vous le laisse. Hein. Il y a un peu de chantilly, hein, je crois. Oh bah il y en a même beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont finalement... Ça a l'air délicieux, on dirait des gaufres à la chantilly. Mais je crois que c'est une gaufre, tout à fait. Mais on va éviter de se gaufrer. Parce que le but du jeu, c'est quand même d'arriver au bout. Oh là là, ça donne faim en tout cas. C'est magnifique, cette petite tarte, ce petit gâteau là. On dirait une sorte de tarte... tarte gadin. Une tarte au citron meringué, je ne sais pas. Il passe bien. Ils ne sont pas aussi rapides que l'attelage précédent, mais c'est pas mal. Le virage incurvé et on va arriver sur l'arrivée tout de suite. Oui, c'est normal, on arrive sur l'arrivée et on départ du départ. 47-41, c'est un peu moins bien, mais au moins, eux, ils ont vu la fin de la piste. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde depuis le début de cette course, Johan. Et là, à chaque fois, l'arrivée, quand même, l'arrivée, elle est un peu abrupte. Elle est... Parce que des fois, on est dans l'émotion, on oublie de freiner. Et tout de suite, il y a les bottes de foin qui sont là pour amortir les chocs. Et apparemment, sortir de ce gâteau, c'est pas de la tarte. En tout cas, vraiment l'ogive tout à l'heure, la fusée, hein, moins de 33 secondes. Ah là, j'ai envie d'une glace également. Ah, on dirait Marco Verratti, le petit hibou, Terror O. Donc ça doit venir sans doute la chouette de la terreur, hein, je me doute, j'imagine, un truc dans le genre. Très bien noté, hein. 8 et 10, on voit des 10, on voit des 9. Ah ouais, on a un jury qui est très sympa aujourd'hui, c'est pas le cas tout le temps. C'est pas le cas tout le temps, on l'a vu à Dallas, à Houston, c'était compliqué. Et attention, le hibou. Alors le hibou, normalement, c'est plutôt la nuit qu'il est performant, le jour il dort. Ben là, pour le moment, il est bien réveillé. Gros, les gros, là, il avance bien. Attention, il est en train de dévorer un peu toute la basse-cour. Pour l'instant, c'est assez chouette, hein, ce qu'ils font. Allez, la chicane. Alors, c'est pas une poule mouillée, je peux vous dire, ce hibou. Magnifique. Ouais, ça conduit bien, ça va assez vite. Un peu trop dans la maîtrise de la situation, mais là, ça peut faire des dégâts. Ça manque un petit peu de vitesse. Ouais, il donne des à-coups genre pour aller plus vite. Enfin, c'est là, pas il comme a deux à l'heure, il a un problème cet hibou. Il a pas pondu ses œufs. Est-ce que ça pond des œufs d'ailleurs un hibou? Oh bah oui, j'imagine. Comment voulez-vous que ça se reproduise sinon? Il n'y a pas de maternité pour hibou. On n'a jamais vu, j'avais dit une mémoire hibou, pousser. Donc ça pond. Ah là 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 là, le hibou fait son nid, attention, là, il faut qu'il prenne de la vitesse un petit peu cet hibou là. Oh là là, bah, il reste bloqué à l'arrivée. Incroyable. 1-0-2, ouais, ça manquait un peu de vitesse. Hein. C'était. C'était pas. Ils auraient dû prendre peut-être un oiseau qui va un petit peu plus vite, un faucon, un aigle ou même une autruche. Hein, parce que là, l'autruche, ça court quand même à 70 km/h. La politique de l'autruche, c'est pas leur truc, au hibou. Can I have a quick chat with you? How was it, man? Oh, it was fantastic. C'était very fantastique. Nice. It looked like a hoot, boys. Well done. We'll catch you later. Good job. Allez, ils vont pouvoir aller faire la tête et la fête surtout. C'est un peu l'apanage des petits hiboux, hein. En tout cas, efficace à Marco Verratti. Pas de prise de bec en tout cas, c'était quand même pas mal. The Shiva's Friends. Alors, donc les amis de Shiva. Voilà. Alors, je ne sais pas trop. Ah, le déhanché est pas si extraordinaire que ça. Ils ont raison, le jury est un peu sévère. Franchement, ça doit plus danser, on doit rouler plus le popotin. Sur le déhanché, Johan, vous êtes Je suis l'expert. Je comprends pas en tout cas pourquoi cette boisson ne m'a pas pensé à moi pour être dans le jury.
Je ne sais pas. Bah, écoutez, peut-être une année prochaine. En tout cas, c'est parti. Alors, c'est aux couleurs de la Colombie. Qu'est-ce que c'est? C'est un... Il livre du café, je ne sais pas. Alors là, si ça passe tous les obstacles, eh bien, franchement, je mets ma main à couper. Ça va être très, très compliqué. Mais en tout cas, c'est magnifique le départ, vraiment, tambour battant. Ouais, voilà, voilà. C'était impossible. C'était impossible. Johan, la bonne nouvelle, c'est que vous allez garder vos mains. Et que ça peut servir. Oh, la main, évidemment. Mais ils ont tenté le tout pour le tout. Ils savaient que c'était impossible. Alors, ils ne l'ont pas fait, évidemment. Ah là là. Tonneau. D'abord la botte de foin, après le bitume, après l'asphalte. Ils ont été asphaltés. Regardez la caméra intégrée, la caméra embarquée. Oui, mais caméra débarquée surtout parce qu'ils... Débarquez-moi, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne verront pas la ligne d'arrivée, les amis de Chiva. Ils n'ont pas franchi la haie en tout cas, même si on est aux Pays-Bas. Bah, ils y vont à pied, voilà. Ok, guys. Alors, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? I think your steering skills are horrible. Yeah. Are you blaming him? Ils ont un problème de direction. Always go. Voilà. Little wheels. Ça arrive, hein? C'est un problème de direction. It was like something out of a film. You should have seen the slow-mo. It's like you're sliding on the side. Ah, ils sont bien ramassés. Yeah, it's a long time, eh? Too slippery. It doesn't matter. We are in to be for the best crash. Yeah. Et oui, voilà. C'est le moins. Ce sera la meilleure chute, la chute la plus impressionnante. Ouais, il y a pas de trophée du meilleur crash. Enfin bon, on leur décerne pour le moment. On va peut-être en voir d'autres. Le lapin d'une certaine célèbre marque de piles. Hein. Et là, je peux te dire, normalement, il va aller très très vite. Hein. Voilà, on prépare son habitacle. Je pense que ça va aller très 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 vite. On branche la pile, l'énergie est là. Il y a de la puissance, il y a une bonne carlingue, il y a une bonne carrosserie, ça peut aller très très vite. Voilà, le jury donne une bonne note artistique, ça met du courage. Et le lapin, c'est du solide tout ça. C'est parti, pile poil. Allez, on pousse, la poussée très importante. Hein. C'est comme du bobsleigh, hein, les caisses à savon. Évidemment, il faut une bonne poussée pour prendre de la vitesse. Et puis les ailes et la cuisse, évidemment. Attention, ouais, génial. Ouais. C'est un lapin qui, pour l'instant, ne va pas finir en civet. Attends-toi, alors pile ou face, pour l'instant, en tout cas, ça passe parfaitement. C'est pile, attention. Ah le lapin est survolté, Johan. Hein. Le lapin, mais c'est Gilbert Bécaud que l'on voit, extraordinaire. Ah ouais. Gilbert Bécaud, attention. Encore une fois, extraordinaire. C'est un lapin volant. Est-ce qu'ils vont faire moins de 33 secondes? Ce sera absolument dingue, ce serait gigantesque. Le dernier étage. Oh là, les roues sont parfaitement intégrées. Le lapin est dingue. Et là, oui. 40 secondes. Deuxième position. Allez, pour deuxième meilleur temps. Formidable lapin. Franchement, c'était pas un agneau ce lapin, il était carnivore. Allez, un nouveau char, une nouvelle caisse à savon, la baseball mobile. Voilà, donc on est sur une inspiration complètement américaine, le baseball. Alors ça a plu un petit peu moins, parce que le baseball en Hollande, c'est pas totalement ça. 37 points. Et là, le départ, évidemment, la grille de départ en pole position. Et c'est parti. C'est parti pour ce baseballer. Alors, j'ai l'impression que ça représente quoi, son véhicule? Bah, décapsuleur dans une petite bouteille. Peut-être une bête. Oh non, le crash! Oh, le crash! Tête à queue, double tête à queue, triple tête à queue. C'est pas Verstappen. Ah non. Et il repart, c'est bien. Il a même pas besoin d'aide pour l'instant. Il va falloir prendre de la vitesse. C'est une batte de baseball géante. Pour l'instant, c'est plutôt batte. Ça repart. Ouais. Mais on a perdu beaucoup de temps forcément, Johan. Hein. Ah là 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 là. Mais pourtant, c'était, en tout cas, il s'est amusé avec cette magnifique. Attention, le magnifique engin. Oh là, et le nez, la queue qui s'en sont allés. Et il a perdu son manche. Il conduit comme un manche. Enfin, et c'est sorti sous attention. Manche. Et là, c'est la voiture balai, je peux vous dire. C'est arrivé. Et voilà. 53 secondes. C'est pas si mal vu l'ampleur du désastre. Mais il rigole, on s'amuse évidemment. La belle équipe de baseball. On est là pour rigoler. Et nous aussi sur la chaîne, l'équipe. Mais là, évidemment. Quel. Bon, d'un côté, ça ne servait pas à grand chose. Donc c'est l'action, ça ne lui a pas manqué non plus. Hein. With the full 360. When you span, ah, il a fait un 360. Il a fait un Shaun White. Il a réussi à garder l'équilibre. Il a valsé avec sa caisse à savon, Johan. C'est un petit hommage pour vous. Regardez, par contre, Carrera, les moyens incroyables. Surtout, ça donne l'impression de vitesse. On n'a pas forcément l'impression que ça va très vite, mais je peux vous dire. Ah non. Return of the Legend, la prochaine caisse à savon. On est sur la culotte de peau, on est sur le mouton noir, on est sur la fête de la bière. Et d'ailleurs, on nous montre. Ah, ben là, il y a un loup. Est-ce qu'il y aura vraiment un loup à l'arrivée? On va le savoir dans quelques secondes. Et c'est parti. Elle a poussé. Ah, j'adore cet engin. J'adore cette équipe. Il est pas mal. Avec des petits trous par contre. Ouais, mais ils ont mis du temps, ils ont mis de l'énergie, ils ont mis de la volonté, de l'amour pour faire cet engin. En attention. Cas, ça pilote bien, ça part très vite et ça va passer entre les bottes de paille. Allez, attention. La chicane. Et ça passe. Ouais, ça passe. Allez.
La juge de paix, ça va être le premier saut. Non mais là ça va 150 à l'heure, attention les radars. Magnifique. Ah, la roue avant, oh la roue avant. Tiens plus trop la roue avant Johan. Attention, on a... Ouais mais ça part, oh là là. Et oui, vous aviez raison. Eh ben voilà. La direction avant, à lâcher. Ah c'est sur le choc à la réception du saut. Bah oui. Mais regardez, on le voit, regardez à la réception, hop. Ah là 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 là, et là c'est une sorte de... C'est pas une crevaison, mais c'est déchiqueté en tout cas. Ouais, la roue est problème de matériel, yeah, problème de matos, problème de temps, problème d'argent. Trop fragile, même tout fragile. We thought we were waiting for you and all of a sudden you were into the hay, you were so close, what happened? Well, one wheel just thought, well, I'm gonna take this turn to the... Voilà, il y a une roue qui a lâché, et bah, les trois autres, par solidarité, ont lâché aussi, donc du coup, l'arrivée, sortie de route. Il est traître ce circuit est très compliqué. Évidemment, très bien fabriqué, très bien construit, évidemment, fait pour avoir des sensations fortes, fait pour avoir des chutes, fait pour avoir des abandons. Ah, voici deux ampoules. Écoutez, donc elles sont pas au pied. Oh, bah, les ampoules, après, en paire, vont-ils en gagne? On va voir ça. On a eu la pile, on a les ampoules. On est dans une... C'est très électrique, en tout cas, c'est un programme très éclectique et très électrique. Allez, c'est parti pour la team Lampe-Jeu. Attention, faux contact, en tout cas. Allez, espérons qu'ils vont pas se faire enguirlander par leur partenaire. Là, attention, là c'est une lampe torche. Ça passe. Quelle vitesse en tout cas, on voit très bien, on peut lire de très beaux ouvrages en tout cas grâce à cette lampe extraordinaire. Oh, attention, ça va trop vite. Oh là là, la vitesse. On est pas passé loin de la gamelle. Ils ont perdu l'ampoule. Incroyable, ils ont perdu l'ampoule. Ils ont perdu les freins. Ils ont d'abord perdu l'ampoule, après perdu un homme, après perdu un deuxième homme. Ils ont tout perdu. Ils ont complètement disjoncté là. Mais c'est extraordinaire. C'est la nuit noire là. Alors regardez, il y a une ampoule qui tombe. Oh la chute, attention, j'espère qu'il n'aura pas à finir à l'hôpital en tout cas. Il reste encore une ampoule, mais alors par solidarité, l'ampoule 1, regarde où est tombée l'ampoule 2. Ah c'est l'ampoule mouillée, terrible. Ah, c'est terrible, terrible. Regardez là déjà, ça avait été chaud. Et en tout cas, ils nous ont fait plaisir, en tout cas, quel duo extraordinaire. Mais c'est une descente assez laide au final. C'est des cascadeurs extraordinaires, ils ont tout tenté, mais comment il a pu tomber? On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la compétition de ce championnat du monde depuis 25 ans. Première chute, c'est la première. Quelqu'un qui tombe sans qu'il y ait contact. C'est pas une ampoule qu'il va avoir, lui, c'est des bleus, en tout cas. Regardez ça. Et là, il a essayé de freiner. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il a confondu vitesse. Oh là là, et le choc en plus contre la balustrade. On a l'impression que c'est Jalabert au Tour de France il y a de nombreuses années. Terrible. Bon, plus de peur que de mal, en tout cas. Et voici les Rolling Stones. Alors c'est pas Mick Jagger, c'est pas Keith Richards. On est plutôt dans une inspiration, évidemment, les pierres à feu. Magnifique. Les hommes préhistoriques, souvenez-vous, les pierres à feu, les Flintstones. Bon, ça leur plaît plutôt pas mal. Il y a un juré, je sais pas ce qu'il y a. Attention, j'ai l'impression déjà qu'il voulait pas partir. Il a dit à ses coéquipiers, il y a un problème, mais il est parti quand même. Ils sont partis, ce duo. Alors, c'est deux hommes troncs, donc c'est parti. Il y a déjà un problème. On a enlevé le capot, ça gênait. Et c'est déjà l'abandon avant de l'avoir commencé. Ça a accroché. Ça y est, ça a pété, voilà. C'est plus les Clash que les Rolling Stones. Oh là 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 là, terrible. Mais comment vont-ils pouvoir voir l'arrivée? Il y a déjà des étincelles. Ils sont sur trois roues. Il faut rentrer au stand tout de suite. Il faut que quelqu'un intervienne parce qu'il y a de l'huile qui se propage. Il lève le bras, voilà. Je suis pas sûr qu'ils passeront le saut parce que ça manque un petit peu de vitesse. Allez, que ça passe, ce serait pour la beauté du spectacle. Oui, et on perd une roue. Et encore, on perd une roue. Allez, on est généreux, on lâche des roues au public. Bah écoutez, c'est un tronc d'arbre qu'on va peut-être récupérer pour le bûcheronnage sportif sur la chaîne de l'équipe. Il reste plus que ça à faire avec. Et voilà. Le tronc d'arbre. Ça cache une forêt de problèmes en tout cas. Ils sont aux abois. Ouais. Bah écoutez, voilà. Ils passeront pas la ligne d'arrivée, ils vont la ramener, voilà. Un beau plantage en tout cas. Et ils vont quand même, évidemment, encore une fois, personne n'abandonne, on va jusqu'au bout. Ouais, mais ils avaient pas assez bien bûché leur affaire, j'ai l'impression. Et ils ont ramené les copeaux à la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? And you pretty much made it the whole way. Yeah, of course, it's well designed, man. Ils ont un problème de conception. Bah ça, on l'a vu, hein. C'est sûr, hein, que bon. We could see the sparks flying up. Ça fait des étincelles. Et je vous l'avais dit, juste avant déjà, il avait un regard inquiet. Il disait à ses coéquipiers, ne m'emmenez pas là-dedans. Ouais. Ils ont dû tirer au sort qui allait piloter. Malheureusement, c'est tombé sur lui. Évidemment, des sourires, de la rigolade, juste avant de canapé, évidemment. Ça reste du fun. On fait ça évidemment pour gagner, mais surtout pour s'amuser. Des frikandelletickers. Alors je ne parle pas hollandais, mais ça veut dire sans doute fricandelle. Fricandelle, on est sur de la nourriture encore, Johan. On a du cochon, tout est bon dans le cochon, sauf la note artistique qui n'est pas terrible. Cochon d'Inde, des violons d'Ingres. Alors choisissez. Qui va monter dans la caisse à savon? Alors on a le coq et la vache qui poussent. Et c'est parti.
Attention, il y a ces bottes de foin à gauche et à droite. Ah, mais c'est de la fricandelle, c'est une sorte de hot dog, hein, on va dire. Voilà. Voilà, on prend en tout cas. Attention! Oh là 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 là, ça doit pas arriver au bout, ça doit pas arriver au bout. Attention, ils ont bien réussi à se reprendre, mais c'est compliqué. Allez, la fricandelle, bienvenue chez les ch'tis. Super, attention. Pour l'instant, c'est pas mal, Johan. Hein. Franchement, ils sont là tranquillement, ils sont en train de manger. Allez, le dernier saut. Oh ah, ouais, extraordinaire. Extraordinaire, j'irai manger leur fricandelle. J'irai manger en tout cas leur hot dog, leur kebab extraordinaire. Et quel exploit insensé. Pour moi, peut-être entre la deuxième et la quatrième position. Alors, j'ai cru qu'ils allaient rouler. Et encore, exceptionnel, 52 secondes, bravo. C'est bravo. Pas mal, c'est pas mal. Top 5. Plutôt digeste cette fricandelle. Bah écoutez. Attention, j'espère qu'il n'y a pas de blessure encore une fois. Mais regardez ce saut, ce saut fantastique. Ils sont allés à 650 mètres de haut. Extraordinaire. Mais comment la saucisse a pu résister? Mais comment la saucisse a pu résister? La saucisse a décollé comme une fusée. Comment la merguez a pu résister à tout ça? Ils ont adoré. Ils ont adoré. Bon, ils se sont pris un petit coup de chaud quand même quand la saucisse a décollé façon fusée Ariane. Ah oui, on est fast food, oui. Donc on a été fast et on a été food. Oui, c'est cohérent. C'est fast food and furious. Mais en tout cas, ce circuit, je l'adore. Hein. On adore ce circuit, on adore ses participants. C'est assez exigeant. Mais pour le circuit, il est formidablement pensé et construit. Et on assiste à des cabrioles extraordinaires. La Curaçao Running Team. Allez. Alors, à quoi ressemble cette caisse à savon? Déjà, quelle est la note artistique? Voilà, cette jeune femme met un 10. C'est bien, c'est bien. Et alors, lui, il est tout le temps en train de se marrer. 40 de note artistique, c'est parti. Alors, on est dans une forme classique de voiture, hein, là, au niveau de l'imagination. On a fait du basique. En tout cas, c'est quand même tout petit, hein. Il a premier saut, ouais, c'est assez. Oh, le dérapage! Et voilà. On a fait une forme bob. Souvent, les caisses à savon très étroites ont des problèmes de tenue de route. Oui. Et ça s'est avéré vrai. Alors on va le remettre. Dès le départ on a su que ça divaguait à gauche, à droite, c'était un petit peu branle-bolant tout ça. Ouais, boire ou conduire, on a l'impression qu'il avait fait les deux lui. Et sans modération. Attention, allez, ça repart. La chicane. Bon voilà, on a perdu beaucoup de temps Johan. Hein. Faut qu'il reprenne confiance en lui surtout. Ah là là, il y a encore de nouveau, il y a un problème de conception là. Il y a la tenue de route et. Et il est content. Et pas canon. C'est un tout petit engin, un tout petit habitacle. Il a dû vraiment perdre du poids pour arriver là bien. Et encore une ça fois. Ça passe là. Allez, le les dernier. Les roues avant qui chassent un petit peu. Il a perdu de la vitesse. Attention. Et il a pété une roue. C'est fini, elle est bloquée. Donc il va falloir le pousser jusqu'au bout. Ah bah ils sont. Ça les fait marrer, hein, les potes. Lui un peu moins. Allez, poussez-moi. Mais il est aidé. C'est ça qui est bien dans cette compétition, évidemment, de la bienveillance. Et c'est encore pire que prévu. Il n'y a vraiment même pas ligne d'arrivée. Non, si. 1 minute 26. Allez, on regarde avec cette caméra embarquée. Ah, il a perdu. Oh là, quelle gamelle! Et il a mis les mains. Hey, I hear you only found out today that you were going to drive. Yeah, is that true? Yeah, that's true. Were you scared? No, not at all. Non, il a pas eu peur. Scared. Il a pas eu peur. And this is your stag do. Il a pas eu peur bleue malgré la couleur de sa tenue. I've got a t-shirt. Thanks. We're going out tonight. Ouais, ils ont le même t-shirt. Sans peur et sans reproche. Ah, on a le même maillot et on a la même passion. Raven. Allez. We're going raving. I can't wait. Oh! Allez, c'est les canards, non? C'est les toucans! Les toucans, ils ont les becs absolument énormes! Les toucans! Très dominants! Ah, les très éminents! Ça me rappelle toute ma jeunesse, le toucan! Les films Marc Dorcel en VHS! Eh oui, quand tout fout le toucan! Tout fout le toucan, bah on va voir, ça va dépendre un petit peu de la conception de cette caisse à savon! Et la pluie, toujours plus importante, la pluie, attention! Ça joue! Ça rend des conditions absolument incroyables! Allez, c'est parti pour la team toucan! Et regardez comment ils ont bien été propulsés comme au boxe-leg, en tout cas par leurs deux partenaires d'équipe! Allez! Le premier saut, ça passe très bien. Franchement, si ça arrive au bout, ça me semble quand même un petit peu léger de la construction. Attention, Agatol. Je la trouve pas mal, moi. La chicane, ça passe. On perd pas trop de vitesse. La vitesse, regardez un petit peu comment ils ont fait. Oui, encore une fois, c'est passé. C'est celui-là, Johan. Moi, je pense que ça va aller au bout. Il faut faire moins de 33 secondes. Ça va faire un bon petit temps. Attention, 33 secondes. Ouh, l'arrivée est un petit peu dure. Le temps, le chrono. Le premier était à 32,60, ils ont fait 34, mais c'était vraiment pas loin. C'est extraordinaire démonstration de force. Ah, c'est tout con et c'est tout con hein, parce qu'il était pas loin de la première place. Ah, vraiment. Ah oh là là, extraordinaire ce qu'on vient de voir. Alors, on n'a pas le temps de reprendre nos émotions. Alors, évidemment, ça c'est très hollandais, c'est les sabots. Donc, on a une caisse à savon en forme de moulin. Il y a du fromage, l'autre pays du fromage, évidemment. On a toutes les spécialités hollandaises sur cette caisse à savon. Il manque juste Dave. Voilà. Qui est peut-être dedans d'ailleurs. Hein. Et qui va aller faire peut-être un tour du côté de chez Swan ou plutôt un tour du côté des bottes de foin si ça se passe mal. Allez, c'est parti. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Allez, la chicane, ça passe. C'est pas
très rapide, hein, par contre. Et là, ils ont perdu des choses en route, évidemment. Oh là là, ils ont perdu, ils ont perdu le moulin. Ils ont perdu le moulin. Il reste les tulipes, quand même. Il reste attention, le fromage. Attention, ça va. Ouais, ils ont perdu de la vitesse, quand même. Attention à ce Dodan. Oui, oh là là, il perd. Oh, ils ont encore perdu un petit bout. Comment il va arriver au bout? Il sera quasiment tout nu. Il n'aura plus rien pour le protéger. Les ressorts vont-ils tenir? Regardez, en plus là. Oh. Et il perd encore des bouts. C'est pas les Pays-Bas, c'est les Pays-Bas. Hein. On a tout perdu. 48 secondes, c'est pas mal. Ils sont contents. Écoutez, au moins, il a vu la ligne d'arrivée. Et c'est en tout cas, pour tout le monde. Amsterdam, mesdames et messieurs, on passe une formidable soirée avec vous en votre compagnie. Regardez ce spectacle. Tout est déchiré. On va vite, on a peur de rien. On fonce dans le tas. Bonjour, madame. Oh, une demande en mariage. Oh, c'est magnifique. Oh, les larmes aux yeux. Vous en rêvez, Johan? Bah écoutez, je vous demanderai bien en mariage, mais malheureusement... Un hôtel 5 étoiles à UTEL, magnifique. Formidable. Oh, l'amour, regardez-moi ce bisou, ce mégot, cette langue. Oh là là, il a tout mis, hein. Il a tout donné. Et note artistique pour cette paix, évidemment. 10, bah, bien sûr. Ah, j'espère qu'ils vont gagner, franchement. Écoute, on leur souhaite le meilleur et pas le pire, hein. Ah là là, quel beau mariage. Oh, vous avez vu ce démarrage incroyable? Et oui, on dirait du catch, tellement c'était spectaculaire, tellement c'était bien pensé. Alors, c'est parti. Alors, c'est une caisse à savon en forme de taureau rouge, hein, le sponsor de ces courses de caisse à savon. Et il est aussi survolté avec la boisson énergétique. Oh, j'ai peur, Oui, magnifique. Ouais, mais il pilote bien, hein. Ah, c'est les brigades du tigre, là. L'amour, ça donne des ailes. Oh, l'amour, les sentiments. Allez, ça saute. Ça continue encore avec ça saute. Attention, la nuit nuptiale. Et ça tient la route, quand même. Écoutez, ça tient, la nuit de noces se passera pas à l'hôpital, ça c'est la bonne nouvelle. Oh, ben, encore extraordinaire, troisième position. Wow, what went up? Eh ben... Feel the romance in the air. Ah, la dame qui sourit, je suis heureux pour elle, Florian. Elle a choisi... Soyons heureux pour elle. Elle a choisi un bon parti, hein. Oh là là, l'amour, ça rend... Ça donne des ailes, ça fait volter, ça fait voler. I'd like to congratulate you on the marriage. No, no, not the first, not the first. Oh, first Englishman. C'est un Anglais. C'est un Anglais qui participait à cette course aujourd'hui en Hollande. Ah oh là là, l'amour, les sentiments, le cœur. Red Bull Alert, la prochaine équipe. Alors, on a un guitariste avec beaucoup de cheveux, hein. On dirait Slash un peu de Guns N' Roses. Eh ben, on aime ça au niveau du jury. On a une très belle note. Et donc, c'est un dirigeable qui va essayer de se diriger vers la ligne d'arrivée. C'est pas gagné cette affaire. Allez. C'est pas gagné parce que franchement ça prend de l'espace. Ouais. Et quand il va y avoir le Dodan tout à l'heure. Oui, c'est très bien. Ça vole, ça vole en haut. Pour l'instant ça ne se déballonne pas, Johan. Ouais, mais il a failli tomber là. Oh là là, ça a été très dur dans le premier virage, encore une fois. Ah, c'est super, c'est vraiment un requin volant. Magnifique, ça va dans les airs. C'est pas mal, hein. Oh là là, il a tombé sur les roues arrière, il a réussi à se rétablir. Le virage incurvé. La météo est excellente en tout cas à travers les cumulonimbus. Et ben, il va voir la ligne d'arrivée, attention. Quelle sensation. Est-ce que ça passera en dessous? Ah bon, ouais. Oh, il a quand même passé à la ligne d'arrivée. Enfin, il est passé par-dessus à la ligne d'arrivée. L'épreuve va être annulée, c'est pas possible. Et comment on va continuer? Il a tout déchiqueté extra. Ouais, quel génie! C'est un génie! L'histoire de la télévision française qui est marquée dans le bêtisier, tous les bêtisiers du monde. Eh bah écoutez, quelle rigolade. Bah, Coquet à l'arrivée est validé, Johan. C'est pas fun. Can I try again? Est-ce qu'il veut recommencer? Il veut recommencer, il veut essayer à nouveau. Fantastique, regarde ça. Et balaboum! Boum! Il n'a pas respecté la hauteur limite. Alors peut-être qu'il va y avoir un petit peu de retard évidemment dans la suite de la compétition. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, il faut remettre le boudin à la ligne d'arrivée. Bah ça y est, il est en place à nouveau, c'est reparti, on continue avec les Student Guests. Oh, c'est des gangsters ça. C'est des gangsters de pacotille, oui, je peux vous dire. Ils ont la fleur au fusil, voilà, pour séduire peut-être cette demoiselle. Allez, on se bat pour l'amour évidemment, on se bat pour la dame. Et oui, et on est dans une superbe, on dirait une Bentley un peu. C'est vraiment très so English. Ça se démarre à la manivelle, allez. Cup of tea. Très belle note. Ah, il y a une nouvelle dame dans le jury. Ah, la dame était fatiguée. Il y a eu un remplacement. Bah, peut-être pour les jurés, c'est comme au foot, il y a un banc des remplaçants. Allez, c'est parti. Il va à la chasse. Oh là là, super, j'adore. Ah là, j'adore cette voiture. C'est les incorruptibles. Hein. Fantastique, mais déjà, je crois qu'il y a des problèmes arrière. Il y a un petit problème arrière, attention. Génial, ça va très vite. On passe très bien la chicane. Vont-ils faire moins de 34 secondes et avoir le premier temps et le meilleur temps? Peut-être réussir à hold up sur la course. Hein. Oh, j'ai eu peur, mais ça retombait très bien. Le Dutch Hills et maintenant le virage incurvé, ça passe et on va se précipiter vers la ligne d'arrivée. Ils ont perdu de la vitesse quand même un petit peu, j'ai l'impression. Un petit peu. Allez. Ouais, bravo. 46 secondes. Le gang.
Le gang a réussi son coup. Cool on the gang. Alors eux, c'est quoi, c'est des cow-boys? Les cowboys, c'est des skieurs. On dirait c'est des skieurs. On a sorti les combis. Bon, c'est pas la dernière tendance. Hein. On est sur de la combi façon les bronzés. Ah, c'est Michel Blanc, Gérard Jugnot. C'est Jean-Claude Duss, c'est Bernard Morin. Formidable. Alors, est-ce qu'ils vont faire gagner un généraliste aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des monnaies là? Falkenberg. Vous avez une caisse, vous avez du savon, bah vous faites une caisse à savon. C'est parti pour les cowboys. Ah c'est rigolo. Ah non, là. Il y a déjà des pièces détachées là. Et attention Amy, c'est très détaché. Mais ça continue quand même, c'est ça qui est encore très fort, il résiste à tout. Cet attelage résiste à tout, il n'y a quasiment plus rien maintenant. Attention, il continue à rigoler. Ils ont perdu le toit. Et ça passe entre la paille. Ils ont perdu le toit, on dirait un peu les trois petits cochons. C'est génial. Mais regarde, ils vont jusqu'au bout, qu'on flotte ça qui est Florian. Ne jamais abandonner dans la vie, regarde ça. Extraordinaire. Ça tient bien. Il n'y a plus que du fer, il n'y a plus que de la ferraille. Quand te reverrai-je la ligne d'arrivée, où ceux qui s'aiment. Allez, ça arrive sur un malentendu, on peut finir la course. Moins d'une minute peut-être, est-ce qu'ils vont faire moins d'une minute? Oui. Les bronzés font 56, c'est pas mal. Bravo à eux. Et on récupère ce qui reste de la maison. Et le personnel en tout cas de piste a beaucoup de travail. Ah bah ça oui. Well, as they say in Holland, we're going through the roof. Comme on dit en Hollande, on est passé à travers le toit. C'est ce qu'ils ont fait, voilà, ils ont pris ça au pied de la lettre. Regardez ce saut. La ferraille perd des éléments, ça perd de la machinerie un petit peu. On va partir dans l'espace avec les Be Brave. On espère que ce sera pas trop naze pour la NASA et qu'ils vont réussir un bon temps. Ça va fuser en tout cas, les jeux de mots vont fuser. C'est les derniers concurrents de cette course, mon cher Johan. Est-ce aujourd'hui, qu'ils vont faire moins de 34 secondes? On a vu beaucoup de fusées aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'engins volants, engins violents non identifiés. Et là, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette navette spéciale. Oh là 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 là, le désastre! Ça part pas bien du tout. Oh, il réussit à peu près. Oh là là. Il est... il est pas du tout en orbite. Oh, la fusée a explosé après moins de 10 mètres de vol. Terrible. Aïe. Mais il n'y a pas de blessé, c'est le plus important. Mais il a complètement, il était ivre, il a trop bu avant de partir, il avait le stress peut-être. Et quel échec terrible en tout cas pour cette fusée, pour l'ingénierie américaine. Terrible échec. Terrible. Eh ben on mettra pas Thomas Pesquet là-dedans, je peux vous dire. Alors si vous arrivez au bout quand même, et c'est ça qui est bien. Ça repart. Allez. Il est tout seul maintenant, il n'y a plus qu'un homme, il n'y a plus qu'un pilote dans la machine. Il n'y a plus qu'une aile aussi à la navette. Il y a son partenaire qui l'aide. On se demande qu'est-ce qu'il fait. Ah oui, le pas le partenaire, lui c'est facile. Il pousse le foin, alors. Mais qu'est-ce qu'il a, il est déséquilibré. Mais il est bourré, il est ivre. Il fait ses prières, il a raison. Ah, oh. Il était une fois. Il fait ses prières avant le saut là, attention. Oh là là, oh ça. Oh, oh. Je le sens pas. C'est bien établi quand même. On arrive presque sur Mars, allez venez l'aider. Ouais mais Mars ça repart pas hein, Johan. Mais regardez là son coéquipier même qui est en difficulté, qui arrive pas encore à l'heure pour bien le pousser, le repousser. Allez, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Ouais, j'ai l'impression qu'il a pas des étoiles dans les yeux. Hein. C'est pas terrible. À la 1 minute 59, un des pires temps de cette course. Mais on s'est beaucoup barré. Évidemment, et on va découvrir le classement final, Johan. Troisième aujourd'hui à Valkenberg de cette course de caisse à savon, les gangsters. Deuxième, le jeune marié avec son char ultra rapide. Et le vainqueur, les vainqueurs, Johan, attention. Ah oui, c'est eux. Oh, la fusée. Gagné en faisant en plus ça, c'est encore plus beau. Une belle figure. Bravo à eux, merci Johan, merci à tous d'avoir suivi beaucoup. Merci de Caisse à Savon sur la chaîne L'Équipe, ça régale une nouvelle fois. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle course de Caisse à Savon. Comment ça va, Johan? Ah, ça va super parce que ça va être encore un immense spectacle. Évidemment. Aujourd'hui, on est dans l'Ohio, à Cincinnati, et on vous promet un cocktail de gamelles, de chutes en tout genre, et aussi de caisses à savon plus délirantes les unes que les autres. Voilà, Cincinnati, c'est là, petit cours de géographie. On est dans l'Ohio, et voici le parcours. On aura le départ. Oh, une pente avec une énorme épingle. Oh là là là, je crains le pire. Une épingle à cheveux assez folle. On va enchaîner, si tout se passe bien, avec un premier grand saut. Ce parcours est fantastique déjà. Une rampe, voilà, à haute vitesse. Ça derrière la rampe, spectaculaire. On va essayer de continuer. Voilà.
Encore une descente, terrible la descente. Encore un saut. Un autre saut. Pourcentage absolument incroyable. On se croirait dans les Alpes. Et à l'arrivée, normalement, on sera là, voilà. Si tout se passe bien, on franchira cette ligne d'arrivée. Je dis bien si tout se passe bien. Et on sait que dans les courses à savon, tout se passe pas toujours très bien. Mais en tout cas, l'important, il n'y a pas de pluie. Et ça, c'est quand même largement leur avantage. Allez, on prend la première équipe, DOS 314. Alors, on vous rappelle qu'il y a toujours au départ une petite animation. Ah, il a volé! Oh là 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 là! Il a volé carrément! Quel voleur! Quel bandit de grand chemin! Alors, la note artistique qui sera additionné au temps réalisé par cette caisse à savon. Il a intérêt d'aller très vite, parce qu'il a piqué l'engin à son copain, ouais, c'est pas bon ça. Il a surtout intérêt à aller très vite parce que la note artistique était pas terrible. Allez, on découvre cette piste en vrai après l'avoir vu en modélisation. Alors, pour l'instant, ça se passe. Et non, tout ça pour ça. J'étais en train de dire pour l'instant, ça se passe. Pour l'instant, ça se passe mal. La roue arrière gauche qui a craqué complètement, qui n'a pas tenu le choc. Toujours ces roues un peu trop fines qui ne résistent pas au poids, donc il va finir à pied, voilà. Ah, il a récupéré comme son argent. Voilà. Et c'est terminé. Peep My Ride. Alors, c'est un sponsor. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Une sorte de canari, voilà. Pip, pip. C'est tout jaune. Alors, qu'est-ce qui est jaune et qui attend de démarrer? C'est eux. C'est Jonathan. Tout à fait. Sans David. Magnifique les notes, en tout cas. Très belle note artistique. Et oui, il y a eu travail de feuille. Il y a eu travail dans la conception. Alors, il y a des petits poussins. Voilà. Allez, c'est parti. Roulez petit bolide. Alors on a fait aussi encore un choix de roues très fine. Ces roues là ça ne marche jamais. Est-ce que ça va y arriver pour la première fois? Alors ça a l'air assez maniable en tout cas dans les virages. L'épingle à cheveux. Un grand quand même. Attention, il est calme, il prend beaucoup de place cet engin. Il prend beaucoup de place à Vitacle. Est-ce que... Oh là là, ouais, ça passe. C'est passé. Bien manœuvré. Maintenant encore la chicane. Et on va... Oh les roues. Le premier saut, Johan. Attention. Ouais, oui, c'est très très bien. C'est solide, ça tient. Mais c'est quand même l'équipage qui souffre, on les voit comme il y a le visage un petit peu tordu par la douleur. Il est un peu crispé. C'est branque-bolant, attention mal aux côtes, mal aux mollets. Attention encore là, oh là 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 là, oui c'est très, très ça bien. Ça passe, elle est solide cette caisse à savon. Allez, le dernier virage et on va avoir un temps de 46,50, bravo. Et on s'arrête, très bien. Eh bien écoutez, moi je dis, c'est un bel exploit parce que franchement j'aurais pas mis beaucoup de pièces de... Regardez comment la roue qui a tenu. Elle a failli lâcher. Ça a été le tournant de la compétition, ça a été le tournant de l'épreuve en tout cas pour eux, ils ont réussi à passer. En tout cas, c'est pas grave. Très belle pipe. Ils sont contents. L'arrivée, ils sont contents. Enfin, ils sont très contents parce qu'ils ont le maillot jaune. Il l'avait déjà en partant. Were you expecting that? You fluffy, you cleared the landing a bit. We gave it our all. Ils ont un petit peu peur à la réception du saut. Et en tout cas, ça casse, mais ça a tenu. Imagine de John Lennon, de John Lemon. Greg Lemon. Greg Citron. Encore du jaune. Space Shark. Les requins de l'espace. Ah, les pêcheurs. Regardez ces marins pêcheurs, ces marins pêcheurs, ces marins d'eau douce. Ouais. Ah, c'est le 3 est dur. Mais qu'est-ce que c'est que cette jurée là? Ah là là, il faut jamais jurer dans la vie. Allez, on pousse. Et le requin est parti. C'est les dents. Ça fait pas peur en tout cas. Moi j'ai pas peur. C'est pas les dents de la mer, c'est les dents de la route. Ils peuvent me croquer. J'ai pas peur. Attention, ce virage est terrible. Avec l'aileron arrière, ça tourne bien. Un requin qui pour l'instant dévore cette piste. Ils ont accroché la chicane et... Ah, le requin, ce requin, franchement, c'est un chaton. Il n'y avait pas de violence, ça faisait pas peur. Allez, après ce requin qui n'a pas vu l'arrivée, mon cher Johan, The Truckies. Alors, on est sur, on dirait, il y a un policier, on dirait un camion de pompier. C'est un classique, les camions de pompier, dans les courses à savon, il y en a toujours un qui traîne. Est-ce que celui-ci va être solide? Allez, on les encourage, on est à fond derrière eux, évidemment. Allez. Les roues sont vraiment toutes minuscules par rapport à l'habitacle et l'engin. On est sur de la mini-roue. Et les pompiers, ils ont bien mangé à midi, en tout cas. Alors attention, est-ce que ça résiste déjà? Ça met du poids dans la caisse à savon. Le poids donne de la vitesse, mais après, on manque un petit peu de... En tout cas, ils ont été appelés. Ils doivent intervenir très, très, très rapidement. Est-ce qu'ils vont faire moins de 46 secondes 50? Ça passe la première chicane. Très, très bien, il y a de l'assurance, il y a de la sécurité. Ouais, ça manque un peu de vitesse. Et ils sont sur deux, Florian, ils sont sur deux. Oh, pour l'instant, pas de coup de pompe pour les pompiers. Attention. Ouais, c'est très, très bien. Passe. C'est un peu robuste, ça manque de vitesse, mais c'est très robuste. Oui, alors on a fait le choix de la robustesse, mais pas celui de la vitesse. Là, ça reste plan-plan, pour l'instant, ça ne décolle pas. Ça n'a pas décollé, mais ça fera moins de 2 minutes quand même. Et 56 secondes. Et oh là là, on l'arrivait. Ah ouais, les gars, il fallait freiner. Oh, la courte échelle, la courte paille.
Ah bah la courte paille dans le nez là, parce que regardez. Oh là là, la caméra embarquée, spectaculaire. Il faudra un peu de mercurochrome. Not take us out at the bottom. What happened there? We lost it apparently. Did you have no brakes at the bottom there? Maybe we did. Ah oui, bah ils avaient oublié de mettre le frein a lâché. Il a, your brake? C'est un frein à main, mais vraiment un frein qui est resté en main. Donc du coup, ils n'ont pas pu s'arrêter. Et ils ont continué leur piste. Là, ils étaient arrivés à la frontière belge. Heureusement, ils sont arrêtés. Your car is actually in bits, so that's voilà, leur caisse à savon est complètement fracassée, mais de toute façon, elle n'était pas censée servir à autre chose. Regardez, le ralenti. Mais ils ont éteint l'incendie, c'est ça le plus important, alors qu'il y avait vraiment le feu. J'ai parlé de frontière belge, mais c'est un peu loin de l'Ohio. Hein. Excusez-moi, mais d'un autre côté, maintenant, comme le Paris-Dakar se déroulait en Colombie, on est perdu. Et bien sûr, on voyage à travers cette émission, regardez-moi. Mais qu'est-ce que c'est cet engin extraordinaire? Alors, c'est une boîte de conserve, on dirait. Et c'est parti, ils sont motivés. Oh Allez. Ben non, c'est pas parti, Johan, c'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À peine c'est parti, déjà. Mais qu'est-ce c'est fini. Qu'ils ont fabriqué? Ils sont venus du monde entier. Ah ben le volant a lâché, voilà. Le volant a lâché, ils ont fait 8000 km pour ça, ça a duré 3 secondes. Je crois que c'est à peu près le temps le plus court de toute l'histoire des histoires de caisses à savon. Elle a pas réussi à tourner la dame. Oh là là, le choc. Le tout droit. Eh ben voilà, ils sont plus c'est près pas du très chic que et c'est très choc. Allez, on enchaîne avec The Pharmacy Co. Donc c'est une ambulance. Et encore, on essaye de... Voilà, on joue à cache-cache. On essaye encore de peut-être de voler l'engin. Comme tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, il y a eu un une bandit. Une bonne note. Bah, dites donc. Ah, mais oui, parce qu'il y avait un truc qui se cachait à l'intérieur, voilà. Est-ce que ça va, le premier virage est très important, ça lance la piste. Caméra embarquée. Super. J'adore ce... Comment dire, cet attelage un petit peu c'est vieillot. C'est une carte avec... Un petit peu vieux, mais sympathique. On dirait un lit d'hôpital. Regardez, il y a... Oh, oh, oh. Et là, avec ses perfusions, en tout cas en intraveineuse, ouais. Ça passe dans la veine directement. Bah, pour l'instant, il réalise une belle perf. Oh. Regardez, ça passe tout droit. Le premier saut. Oh, il a perdu un morceau, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est vraiment un candidat très clinique, chirurgical. Ah, oui. Et ça avance très 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 bien. Regardez-moi ça, encore extraordinaire. Ça finira pas premier, mais ça peut finir entre 46 secondes et 55 secondes, je pense. Oh là, ah, hey, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Formidable, un malade qui se porte très 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 bien. Mais c'est le docteur Schnock. Quoi de neuf, docteur? Ben un temps canon, 49 secondes pour cette caisse à savon. Eh ben, SOS médecin. Pas la peine de les appeler. Magnifique. Alors là, on a un camping-car. Et là, on a un camping-car, c'est la caravane. Allez, toc toc toc, c'est la police, qu'est-ce qui se passe? Eh wow, oui, c'est le camping-car de Breaking Bad. Je suis totalement d'accord avec le jury. C'est Breaking Bad. C'est Walter White. C'est ma série préférée, vous vous rendez compte un petit peu? Eh ben voilà, c'est un hommage qu'on vous rend ce soir, Johan. J'adore cette série de fous. Voilà, moi ma série préférée c'était Maggie, donc est-ce qu'on a... Ah, j'adorais Maggie avec Rosie Bert, Franz Hivert et Jean-Marc. Mais oui, avec quel ça roule? Oh ah non, bah non, ça roule non, pas, ça non, roule pas du non, tout. Non, 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 oui, extraordinaire. C'est comme dans Breaking Bad, ils sont trop forts, ils sont plus forts que tout, ils sont plus forts que la malheur et la malédiction. Eh ben écoutez, je sais pas ce qu'ils ont pris comme substance, mais ça leur a réussi. Oh là là, ils ont plein du désert, là, c'est l'ancien professeur, maintenant c'est le professeur qui a lâché l'entreprise maintenant pour faire vraiment du business. Regardez ça, badaboum, oui, c'est fort. Ah, oh, ah, voilà. Ils ont pris trop confiance. Eh ils bah ont voilà. pris trop confiance. Méta quoi? Bah, mets ta voiture dans le foin. Ah là 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 là. Attention, no drugs. Ah bah là, il y a une petite overdose, hein, parce qu'ils arrivent pas à redémarrer. Oh là 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 là. Mais en tout cas, ils ont tout donné. Ils sont allés au bout. Ouais. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Ils ont tenté de changer de vie, mais ils ont pas y arrivé. Ouais, mais la drogue, hein, c'est comme leur pilotage, c'est de la merde. Et on arrive quand même au bout tout seul, hein, voilà. Bah, breaking assez bad, hein, quand même, Johan. Ouais. Breaking news, ils n'ont pas gagné. Non, non, non. Regardez-moi ça, l'engin était extraordinaire avec des roues de Formule 1. On a l'impression que c'était. On était à Silverstone. Well, we were hauling, man. Cooking with gas. And just one turn. Ah, ils sont essoufflés, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai du mal à. Est-ce que c'est pas une roue qui a dérapé? C'est une roue qui a un peu vrillé. I don't use any brakes. Il n'utilisait pas les freins. Il freine pas, il n'est pas du genre à freiner, ça ne l'intéresse pas de freiner. That's what happened. That's why we wrecked. Voilà, ils ont arraché le volant, ils ont tout arraché. Seul truc qu'ils n'ont pas arraché, malheureusement, c'est le chrono. Et regardez Florian, encore ce public qui est là. Les téléspectateurs, ils prennent des risques pour être là parce qu'il peut y avoir un crash à tout moment. Et ils prennent surtout du plaisir, comme nous. Mais ils peuvent prendre aussi, ils peuvent prendre aussi des gros risques. Et là, alors là, c'est très rigolo. Space out. Ce sont des extraterrestres. Avec cette caisse à savon en forme de vaisseau spatial. J'adore. La conquête spatiale qui leur apporte une
très belle note. C'est bien mérité. J'adore cet attelage. Ils ont déjà perdu un bout. Il y a départ. De la fumée. Allez. Et là, attention, va-t-il réaliser d'énormes surprises? Alors, on est sur un tricycle, Johan. Deux roues avant, une roue arrière. Une conception un petit peu différente. C'est vraiment étonnant. Bravo à l'architecte. Ça fonctionne bien. Oh non, voilà. Mais quel défaut de construction. Mais comment on peut faire ça? Mais comment ils ont pu croire que ça allait marcher? Je vais arrêter de parler parce que dès que je dis un truc, il se passe le contraire. Mais c'est ça qui est beau dans la vie. Ça fonctionne bien, ça ne fonctionne pas du tout. La vie est plus forte que notre imagination, évidemment. Mais regardez-moi ça, ça ne tenait pas. À l'avant, ça tenait, mais à l'arrière, ça a chassé, évidemment. Trop de rapidité, trop de vitesse, trop de virages. Oh là là. Mais il repart quand même. Il repart, mais il a perdu jusqu'au bout, ça va être long. Mais évidemment, il aura perdu du temps. Et il est content, il a pris une gamelle, mais ça continue. Ben oui. C'est ça. C'est Chic Planète. Ils se sont inscrits pour aller jusqu'au bout, même en 14h, même en 5 minutes. J'adore. Alors vraiment, j'aimerais bien l'acheter là. Est-ce qu'il n'est pas sur le bon coin, cette monoplace? J'adore cette monoplace. En tout cas, elle est plutôt réussie. Fantastique. Et bien franchement, 1 minute 10. C'est pas mal du tout, vu le désastre du début. Regardez-moi ça un petit peu. Cette construction, il a osé, l'architecte. That was awesome. What a run. Talk us through. C'était incroyable. I just came around the corner a little too fast and I pulled out. Ah, il allait trop vite dans le virage. Trop vite dans le virage. Voilà. On l'a vu qu'il était trop vite dans le virage. Cette vitesse. Kind of hit the wall. Top of the course. Ça a fusé, mais dans le foin. People have a crash like that and then they still make it down. Was that le signe de Monsieur Spock. Eh oui, c'est Star Trek. We didn't come to lose. Spock en stock, évidemment. And to finish. So exactly. That's the spirit. Well done. Allez! Oh, c'est des petits castors, Johan! Des petits castors, les castors juniors! Avec leur gros rondin de bois, leur queue plate et leurs grosses dents, c'est parti! Ouh là là, c'est parti, c'est pas très bien parti, mais c'est parti quand même! C'est pas luxe, hein, c'est pas du luxe tout ça! Non! Allez, la chicane, on va pas chicaner, ça passe pour les castors. Les castors juniors. Et ben voilà, ça passe pas. Voilà, comme leur queue. À plat. Et ben ils ont rongé leur frein, je peux vous dire. Ah ben ils ont bien rongé, un peu trop d'ailleurs. Parce et que là, du coup, regardez-moi. Et c'est terminé. Et t'as vu cette paille? Cette paille diabolique, placée parfaitement par l'organisation. Allez, ça ne repartira pas. Non. Elle va beaucoup moins bien marcher. Voilà. Et des castors qui vont avoir une dent contre leur machine. Allez, on continue avec les Zombie Turtles. Les tortues zombies. Alors beaucoup de batailles sur cette ligne de départ, toujours, c'est très très bien. Très belle note artistique. Et bien, franchement, on n'est pas loin du 50. Et c'est parti pour cette tortue. Oh, ça va déjà très très vite. Une tortue qui bat des records, hein. Qui va plus vite qu'un lièvre. Pour le moment, ça démarre très fort. Opération escargot sur l'autoroute. Magnifique, regarde ça un petit peu, la confiance en lui. La chicane, sa carapace. En plus, sa position, il est quand même très 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 haut dans l'habitacle, mais c'est bien. On dirait un quad. Ouais, c'est une sorte de quad. De quad, allez, vous rappelez les J-quad évidemment, encore. Oh là là, la paille qui a failli faire des dégâts encore et ça passe. Attention, encore la chicane. Le premier saut, Johan. Son nez est prédominant, hein. son nez est vraiment prééminent. Attention, oui, ça passe encore. Ça passe. Toujours sur ses quatre roues. Ah, à la tête de la tortue. Sur ses quatre roues et sur ses deux oreilles. Ouais. Vous savez qu'il ne faut pas qu'elle se retourne, parce qu'une tortue qui se retourne, c'est fini. Hein. Ah oui, et attention quand même. Oh là 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 là. Extraordinaire ce qu'il fait, regarder. Il fait le malin là. Formidable. Oh là. C'est ça que l'on veut, du spectacle, du spectacle de la folie. Allez, le saut. Oui, et il perd encore un bout de matériel. J'ai perdu la tête, oui Suzette. Depuis que je fais de la savonnette. L'arrivée, 55 secondes pour cette tortue. Eh bien, franchement, il nous a épaté ce candidat, ce concurrent, parce que franchement, il a osé, il a tenté, il est allé au bout de ses limites et c'est ça qu'on veut. Ah ouais, c'est pas mal. Une conception robuste en tout cas. Et voilà. Et on fait des têtes avec la tortue. Catch. Oh, there we go. Come on, bring it in. Alors. Talk us through that run. How was it? Oh man, that thing was quick off the start. Didn't touch the brakes at all. Voilà, il est. Le début c'était bien, il était très vite, il n'a pas eu actionné le frein, donc il a pris beaucoup de vitesse. Parce que beaucoup près des risques, incroyable, c'est ça qui est beau. Hein. Oui, il faut éviter de freiner. Parce qu'ils ont quand même des freins, des foins, mais ils se font quand même. Et attention, rhume des foins à ce moment de l'année en tout cas. Ouais, faut pas être allergique. Plus fort que l'éternuement. Safety crew, skydivers without parachute, des sauteurs sans parachute. Oula, on voit très peu de candidats à la tête en première. Oui. Très très peu. Le à plat ventre est assez peu recommandé sur les courses de casse à savon.
Mais c'est bien encore fait une fois, parce que là il va vraiment être le nez sur le bitume. Ah bah là il est en skydiver, hein, c'est l'aile volante. Bon, attention, j'ai très très peur pour lui. En tout cas, ça donne des images extrêmement spectaculaires. On est au ras du sol. Oh là 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 là. Et pour en plus, c'est quand même une position très très délicate. Et c'est bien ce qu'il prend, des risques à considérer. Pour manœuvrer, c'est pas simple, hein, Johan. Regardez comment il va réussir. En tout cas, j'ai mal pour lui. Non, oui. Il s'est rétabli. Non, ça va pas très vite. Mais en tout cas, c'est beau de faire cette position là. C'est la première fois dans l'histoire de ce sport que l'on voit un tel candidat. Ouais. Il résiste à tout pour l'instant, il essaie de prendre de la vitesse comme ça. Est-ce que c'est race bitume, race moquette? Ouais. Ras la casquette, attention. On va pas en faire tout un plat, mais pour l'instant ça se passe bien. C'est le plat du jour, hein, en tout cas sur la chaîne L'Équipe, à Cincinnati. Vous êtes bien sur la 20R de la TNT. Ah, regarde, ça saute. C'est bien la nitroglycérine, c'est bien la TNT, je peux vous le dire, regardez-moi ça. Ah, ça manque un peu de vitesse, hein, quand même. Ah. Allez, un autre saut, le dernier saut. Attention, il a peur. Serre les dents, C'est non. La tête dans le foin. La tête dans le culte, en tout cas, parce que là, c'est le culte. Ça va être culte, cette séquence. La tête dans le foin, et foin et l'anagramme. Oh, regardez la tête, en tout cas, ça, j'ai cru que sa tête était décapitée. Ah, ouais. Bah écoutez, ça a l'air de le botter. Et regardez, il continue quand même. Il repart, ouais. Il a passé des années pour construire cet engin. Regardez ses ailes derrière. Et il a failli finir sur la paille, mais il finit à l'arrivée. Ça se passe bien, 1:23. Eh bien, bravo, vraiment, on l'applaudit parce qu'il est allé au bout. C'est pas évident à manier, hein, ce. Au bout de ses rêves. J'irai au bout de mes rêves. Où la raison s'achève. Quand la raison s'achève. Like the hardest thing to steer ever. It was a little fidgety if you went too far. It wouldn't skin the front. Il dit que c'était extrêmement dur à piloter parce qu'évidemment il fallait agiter les deux roues, une main de chaque côté, un peu compliqué. Voilà, et là il a piqué en le foin. It's a world's first for me. I've never seen anything like that at a soapbox race. So good for you. You made it down in one piece. Ce circuit est fantastique. J'adore ce circuit. Vraiment. Il est exigeant. Il est exigeant. Nice job. On se régale. Merci à tous. Fly on. Wing it. Des Lego. Everything is awesome. Tout est incroyable. J'adore les Lego, les dominos, les billes. C'est régressif et c'est ça qu'on aime. Évidemment, le retour à l'enfance, un cours de récréation. Super bonne note. Ah, j'adore cette musique. J'adore cette musique. Je me rappelle quand on était petit, là, quand on allait à la fête foraine. Oui, tout à fait. Ah, j'adore ça. Et là, regardez, ils ont mis la fusée. La fusée démarrée. Ah, la fête foraine. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Allez, c'est parti pour les Lego. Et là, ça crache pas très, ça crache pas beaucoup le feu. Hein. Ça non, crache ça pas, pas très vite. On espère qu'ils vont passer en castrant les bottes de foin, surtout. En tout cas, magnifique design, en tout cas pour cet engin, c'est parfait. Allez. Et ça passe, il peut nous faire mentir, ça peut aller jusqu'au bout. Allez, ça prend très loin, ça prend la vitesse. Allez, let's go, Lego. On va arriver au premier saut, Johan. Eh bien, et pour l'instant, on n'a pas perdu trop de pièces. Un petit peu une à l'arrière. Oh, c'est très très bien. Allez, le saut. Oui, ça c'est très très bien. Attention. Terrible, terrible. Il perd de la vitesse. Évidemment, il y a une partie de son habitacle qui a explosé. Ça le freine. Il est freiné par ses bouts de Lego. Là, le jouet s'est cassé. Il a cassé son jouet. C'est normal que ça parte en morceaux. Ben voilà, un char en Lego qui casse pas des briques. On comprend la déception, on comprend la désillusion. Ils espéraient le podium et ils ont eu que le chaos. Les Wallace Woods War Boys. On est très hard rock là. Hein. Un coup de boule et on va partir dans cette voiture qui ressemblait un petit peu à celle de ZZ Top dans Eliminator. Allez, c'est parti. Oh, il faut prendre, évidemment, il faut prendre bien conscience du parcours. Il faut se le faire, ce parcours. Il faut se l'amadouer. Et c'est très, très bien pour l'instant, franchement. C'est très, très difficile, mais ils y arrivent bien pour l'instant. Ils sont entièrement argentés, pas en argent. Ouais, c'est pas les flèches d'argent pour l'instant. Ça manque de rapidité, ça manque de vitesse. Peut-être vont-ils réussir à faire ce kick pour aller beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, pilotage remarquable. Ça passe bien, les chicanes. Tranquille. Allez, il faut prendre plus de risques encore là. Allez, le saut de l'ange. Allez, c'est pas mal. Ça pas trop décollé. Hein. Regardez l'avant de la voiture un petit peu qui fait des petits sauts, des petits bonds. Ouais, c'est pas rapide, hein. C'est pas du hard rock, Johan, c'est du slow là. Est-ce hein. qu'ils vont faire moins d'une minute? J'en suis pas sûr. Déjà vont-ils rallier l'arrivée? Ça va. Une minute ou moins d'une minute. 57 secondes 90, ça va. C'est dans la moyenne des temps raisonnables. C'est pas mal. Allez. Surtout déjà, ils ont passé la ligne d'arrivée.
I tell you what, it felt wild up there. That second jump, the steering wheel broke. I was gripping the sauvage. Steering column. Au deuxième saut, là, il s'est accroché au volant parce qu'il avait peur d'une réception. J'ai cru que le volant est parti. Regardez son volant. Son volant a failli s'en aller. Ah, ça a failli être ultra volant. Et là, on voit vraiment de la casse partout. Il y a de la casse, vraiment. Ah oui, bah, ça, c'est sûr que de toute manière, c'est pas fait pour être réutilisé. C'est vraiment des casse-coups pour notre plus grand plaisir. C'est des modèles uniques. On passe une superbe soirée grâce à ces candidats prestigitateurs. On s'éclate et aussi souvent, ils s'éclatent. Mais vraiment au sens propre. Les Free Willys, sauvez Willy, sauvez Willy. Ah, j'adorais ce film, fantastique. Ah, l'orque. Et voilà, ils ont sauvé Willy. Alors, où est la caisse à savon par contre? Allez là, voilà. Pour tout l'orque du monde. Oh non, les 1 là, j'en vois. Ah, ils font des 11, bravo. Ah, et en plus, ils sont ingénieux, même le jury. Et là, c'est parti. Allez. Alors là, par contre, regardez. Ce film était tellement romantique, j'ai adoré ça. Regardez, c'est une planche à roulettes en fait. C'est un orque sur une planche à roulettes, c'est un skater. C'est un skate-orque. Un skate-orque. Et là, il va beaucoup devoir utiliser ses pieds, évidemment. Il va devoir prendre son pied, là. Oui, et surtout son corps pour tourner, du coup, parce qu'il n'y a pas de volant. Et hein. Par où il voit? Oui, il voit quand même un petit peu. Ouais, par contre, la semelle des pompes, je suis pas sûr qu'elle arrivera entière à l'arrivée. Hein. Oh là 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 là. Il y aura un trou sous les chaussures. Et bien, sauver Willy, ben, je pense qu'on va pas vraiment avoir du mal à le sauver, parce que regardez ses pieds, là. On voit ses pieds, c'est un peu un poulet sans tête. C'est très bizarre. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais il y arrive pour l'instant, Florian. Il y arrive. C'est le plus important. Ah bah j'ai l'impression qu'il va être sauvé, Willy. Pas vite, mais sauvé. Il a eu beaucoup de nuits blanches pour être arrivé à tout ça. Ah, on a perdu un bout de Willy. Oh, c'est terrible. Et encore, attention. Oh là là, bah ouais. Ah, oh là, ça perd de la vitesse, mais il réussit encore. On dirait qu'il est bourré, Willy. Mais il est extraordinaire parce qu'à chaque fois on pense que c'est fini pour lui et à chaque fois il nous surprend, à chaque fois il nous dément. Allez, le deuxième saut. Oh, attends, Willy. Et ben voilà. Non. Et ben voilà. Mais je pense qu'il est allé à 365%, beaucoup plus qu'on le pensait. Donc c'est merveilleux, c'est un héros. Ouais, mais enfin, il verra pas l'arrivée. Il a plus trop la pêche, hein, Willy. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Et on repart, et il est debout hein, sur son skate. Et on passe la ligne d'arrivée, voilà, petit cadeau. Je skate tes matchs, en tout cas. Exactement, une minute, plus d'une minute trente. Et là, il allait vite, oh là là, oui, peut-être qu'il allait trop vite au moment de la chute. Il a perdu le contrôle. Bah écoutez, il aura au moins la médaille d'orque. Entre les requins, les orques. Ah bah là, oui. On a SeaWorld, hein. Il a eu un petit peu mal sur les sauts parce que forcément cette caisse à savon n'était pas très stable. Vraiment, dent pour dent, œil pour œil, la tête dans les cieux. Voilà, il voulait s'amuser, s'éclater, ils l'ont fait. Bravo monsieur. Ah, c'est génial. Après l'orque, les chevaux. Là, c'est l'arche de Noé, cette affaire. Ouais. Ça s'annonce épique et hippique. Note assez moyenne, artistique. Allez, c'est parti. Allez. Dans ce tonneau qui va peut-être en faire. Hein. Oh non ! Oh non, madame, elle a éclaté une roue arrière. Pas maintenant, madame, on croyait tellement en vous. Eh oui, mais le... Regarde ça, le tonneau. Non, elle a trop bu avant de prendre la roue était voilée. Le syndrome de la roue fine, roue arrière droite, regardez-moi si ça. Si un jour vous voulez concevoir une caisse à savon et passer sur la chaîne L'Équipe, commentez par nous, évitez la roue fine. La roue fine n'est pas fiable. Elle est repartie quand même. Elle a un petit peu peur, elle a même un petit peu peur. Et voilà, elle surmonte sa peur, elle surmonte sa phobie. Ah, oh, elle ça passe. T'as vu comment elle conduit avec un petit peu doigté, elle conduit avec tact, oui. Elle conduit avec délicatesse, sa roue arrière droite avec élégance, avec élégance. Et sa roue arrière droite encore, Et voilà, et c'est du même tonneau, la gamelle, le foin. Ouais. Et là, je crois qu'elle va mettre la. Ça redémarre. Elle va mettre le piloton à droite, on va rentrer à la maison, on va arrêter ça. Buffet. On va passer au vrai candidat maintenant. Allez, merci madame, et bonjour chez vous. Mais elle est rigolote, elle me fait rire. Oh, magnifique. S-O-K-B. Oh, c'est magnifique. C'est très très beau. Il y a hein. Du Einstein. Non, c'est pas Einstein, la figure d'Einstein. Il y a une petite piqûre. Ok. Ah, bah, une très bonne note artistique. Oui, on dirait Einstein. Eh oui, Albert. C'est Albert. T'as le bonjour d'Albert. Allez. Ah, c'est. Là, c'est franchement pas mal du tout. Alors. Attention, là, il y a vraiment. Oh là là. Et là, regardez, comment il peut conduire cet engin en étant placé si haut, regardez, il a même... Oh là là, ils sont deux, il y en a un qui est à l'avant, mais qui voit par je ne sais pas où. Ils sont fantastiques parce que ça va très très vite. C'est du génie pour Einstein. Attention, voilà, quand on a que l'amour, évidemment, mais là, ça va pas assez vite. Einstein, il réfléchissait beaucoup plus rapidement. Hein. Oui, mais pour l'instant, ça ne récasse pas. Ça tient. Ils vont avoir le Nobel de la course, hein. Alors franchement,
Albert, vive Albert. Ouais. Magnifique. 1,07. Ouais, c'était E égale MC 2 ouais. km à l'heure. Et en tout cas, les étudiants qui nous regardent, vraiment les écoliers, prenez votre temps. Ne révisez rien avant fin août. On est bien. Il n'y a pas de professeur. Mais oui, que voilà. Du plaisir. Régalez-vous, c'est les vacances sur la chaîne L'Équipe. Seemed like a relativity good run. Like, ouais, la relativité, pas mal l'animateur. Awesome. Ouais, bien, la théorie de la relativité. Oui. Bah, tout est relatif hein, dans les courses de course cool. de caisse à savon, ça like c'est sûr. Jump, so yeah. We'll see what the film entails. It's a beautifully crafted soapbox, you know. Bah, c'était en tout cas une très belle caisse à savon. Non, salut Jérémy Ferrari hein, parce que là c'est son cousin, c'est vrai, c'est son sosie hein. Good work, epic stuff. En Ferrari, il serait allé plus vite. Hip équipe, 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 écolégramme. Streetcar Incliners. Alors là, c'est... La NFL. Ouais, la NFL sur la chaîne L'Équipe, dans les caisses à savon, avec... c'est les Bengals de Cincinnati. Et là, c'est des Croates, évidemment. Et oui, on a Cincinnati, donc c'est les Bengals, c'est l'équipe locale, Johan. Les Tigres. Oh. Et le Tigre est en toi. C'est parti pour cette caisse à savon. Allez, c'est un bus. On est de tout cœur avec eux, évidemment. Et là, c'est vraiment de la formule. Hein. Regarde-toi, c'est j'adore. Alors, je pense que ça peut aller très, très, très loin, cette affaire. Ouais, on a quand même de la petite roue. On regarde ouais. Et comment il dose le freinage. C'est parfait pour l'instant. Attention. Ça va très vite, ça va très vite, ça va très vite. Le bus est impérial pour le moment. Oh là là, c'est très, très bien. Oh oh très, bon pilote, très bon pilotage, hein, Johan. Franchement, c'est maîtrisé. Il y a de la dextérité. Tout a été bien pensé. En tout cas, il y a eu beaucoup d'heures d'entraînement. On les a vus s'entraîner. Oui, voilà, oui, voilà le saut, le saut. Ouais. Oh, oh, les roues tenues, les roues tenues, les roues tenues. Ça sera tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a un deuxième saut de l'anche. Ça va être terrible. Et franchement, ça peut faire moins de 45 secondes. Allez, c'est parti. Il faut y croire. Le deuxième saut, Johan. Le deuxième saut. Ouais. Les roues qui tiennent. Allez, moins de 45. Allez, moins de 45 ouais. peut-être. 42, oui, je vous l'avais dit. Bravo, je vous l'avais dit. Je vous ah, l'avais dit. Vous avez un chronomètre dans mais la tête. Mais c'est Jean-François Prêt. Nous sommes à Longchamp. C'était la longue ligne droite de Longchamp là-bas en passant par Vincennes. Le Grand Prix d'Amérique. Et là, en tout cas, c'est le Grand Prix de l'Amérique. Victoire. Et c'est eux qui vont gagner. Je pense qu'ils vont gagner. Ah ouais, that ouais. Was très quick. Bon temps. How did it feel? Man, it was out of control. Those jumps, they that was wild, man. I, ouais, ça a été sauvage, mais il a réussi à contrôler les sauts. Il n'a pas peur de sa trajectoire. Down, the ground a little bit, but we just kept on going. I kept it straight and. Ouais, il a réussi à garder sa vitesse, well à garder sa direction. J'ai adoré ce moment en tout cas parce que franchement, très bon temps. Il y avait de tout là. We love bugs. Ça veut dire quoi bugs déjà? Ça veut dire quoi? Alors bugs avec un seul G, c'est les coccinelles. Avec deux G, je ne sais pas. C'est peut-être un pote à eux. Nation Kitchen, la cuisine de la nation. On est dans une canette. Et évidemment, les Fayot, ils mettent une bonne note vu que c'est le sponsor. Attention, on est plus. Moi, je suis plus Sado que Soda, mais on va voir maintenant. Et c'est parti. Oh là là, c'est pas mal en tout cas. Elles allez. Ont la volonté avec elles. Elles ont le sourire, elles ont le smile. Mais attention, ça pourrait vite se transformer en larmes. Allez, on a décapsulé. C'est parti pour la canette. Oh non. Et ben voilà. Oh la tête la première contre le bitume. Et c'est incroyable. À chaque fois que je dis c'est parti, ça se non, gavale. Florian. Je vais arrêter de dire. Je vais noter de ne plus dire et c'est parti. Mais Florian, c'est alors. Terrible. Bah oui, c'est terrible. Regarde ça. Allez, bah, ils sont pas allés au bout. Elle. Ah, bah, ah oui, il y a eu un problème mal de tête, des maux de gorge. Alors. Je dirais pas et c'est parti, de toute façon ils sont pas encore partis. Team Crash Icebox. Alors. Ouais, là il y a un 2, et bah franchement je suis d'accord avec le 2, c'est quand même pas terrible. C'est pas la plus belle des caisses à savon, mais s'ils font un extrêmement bon temps, ça rattrapera cette note artistique oh. un peu décevante. Allez. Oh, ils prennent la place en tout cas, allez, mais ça va. Oh la roue. Déjà oh, déjà va-t-il oh, tenir encore oh, 5 secondes, va-t-il tenir pour ah, oh, non c'est fini. Et c'est fini, regardez la roue. La ah, roue incroyable. Elle a déchaussé, elle a déchaussé. Oh là là, oh là là les... Oh là 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 là, les chaussées aux pommes comme en Bretagne, c'est terrible, mais ils continuent quand même, on sait même pas comment. Alors c'est un exploit. Parce que arriver à piloter comme ça avec deux roues en moins, avec deux pneus qui se sont totalement sortis de leur. Oh là là. Oh, terrible, qui sont fait. Il y a deux roues qui sont fait la malle. USA, mais elle est en dans un sale état, dans un sale état d'Amérique, hein, cette caisse à savon. C'est USL comme les miennes. Oh là 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 là, il va quand même rallier l'arrivée. Je sais pas comment il fait pour rouler c'est encore. C'est merveilleux. C'est un miracle. C'est un miracle, Johan. Il va, on voit oh, même bah là, les étincelles. Il saute rien là. Oh là, il a perdu sa coupe. Ouais, allez, c'est fini. Oh, ouais, je suis dans un état proche de l'Ohio et on y est, ça tombe bien. Et là, franchement, il y a de l'aide évidemment pour lui permettre d'arriver au bout. Ah monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut finir. Il faut finir sur l'engin. Eh oui, bah il finit devant puisque l'engin ne peut plus suivre. Mais bravo en tout cas, encore une fois, tant d'heures et de mois de travail pour arriver sur la ligne d'arrivée. Allez, magnifique son saut. Saut. Eh bien en tout cas, il y a beaucoup d'heures de sport. Hein. Ouais, impressionnant. Ouais, quel physique. Ouais, ça c'est sûr que. Eh ben c'est pas moi. Fait de la salle, hein, ouais.
Ah bah il a... Moi je fais du sel, lui il fait de la salle, chacun voilà. sa vie. Bah écoutez, chacun sa vie. Moi je suis poivre et celte. Chacun son corps. Oui, on sait que t'es beau gosse. On sait que t'es beau gosse. Ah, il est beau gosse. Oui, mais soyez... Il étale son corps. Les roues ont lâché, ouais. Get to do that very often. The hair was flowing out the helmet. It was glorious. Glorious flow. Yeah, you gotta work the crowd. Voilà, c'était glorieux pour moi. Cincinnati, I love it. J'étais content de venir à Cincinnati pour exhiber mes pecs, mes tablettes. C'est les crazy torse, monsieur. Go and put a shirt on, it's sunny today. Put a bit of cream on. Careful. Razor dangerous. Voilà. Allez, merci le Chippendale. Les Kentucky Bootleggers. Ah, les bagnards. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah là 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 là. Moi, je suis en slip plutôt, mais c'est pas mal. Ah, le 1. Oh, il est dur, le 1. Là, le 1, oh, franchement. Oui, moi, j'aurais mis un 0 après le 1. Allez. Et c'est parti. Et là, on déballe la porte. Savon à 3 roues une nouvelle fois. Et en général, ça marche très très peu à 3 roues. On va voir s'il va démentir, la, pour l'instant, les statistiques. Allez, ça passe la première chicane, le premier virage. Pour l'instant, il a un très très bon sens de, comment dire, de direction. Ouais, ouais, il pilote bien. Franchement, c'est pas mal sur, du tout. On est sur une bonne vitesse, ça chasse pas trop, Johan. Donc... Oh non, oh. Non, non. Oh, 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 là, 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 là. On vous l'avait dit, ça fait 6 mois qu'on commande ce sport. Les trois roues ne marchent pas. On a fait des stats, les trois roues, effectivement, c'est pas terrible. Des stats Opta, on vous l'avait dit. Voilà. Écoutez-nous, en tout cas, écoutez Florian et moi-même. Parce que franchement, Opta Flo et Optayo, on connaît les spécialistes des stats de caisse à savon. Et pourquoi nous on le sait, eux ils le savent pas, alors que c'est leur sport, c'est leur vie. Peut-être qu'ils étaient un peu radins, ils ont voulu économiser une roue, bah du coup ils regardent. Il arrive à peine à franchir quand même. Bah, il arrive le lendemain, les gens sont en train de partir. Ah là 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 là, regarde ça un peu. Là on peut plus rien faire là. On a beau ici, on tape le foin. Et c'est fini. Pourtant, il n'a pas beaucoup de protection. Il aurait pu se faire très, très, très mal. Souvent, on vous le dit, mais ne faites pas ça chez vous, évidemment. C'est un sport de professionnel et non pas d'amateur. That was awesome. C'était incroyable avec son petit étoile de shérif. Voilà. Mais les étoiles, il y en a vu, mais pas celle de shérif, Johan. Je préfère ma chérie à ce shérif, en tout cas. Bah, évidemment, on salue nos chéris. Même si ma chérie s'appelle célibataire. Célibataire Ryu. Écoutez, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mon cher Johan. Et on est bien accompagné. Et on se régale, franchement, Florian. En tout cas, quel sport extraordinaire! Ça a été acquis de l'autre par la chaîne L'Équipe. On était 53 chaînes en France en concurrence, bien sûr. On a mis le paquet comme eux ont mis le paquet pour nous régaler. Et regardez cette foule! Regardez cette foule absolument extraordinaire! Il y a un monde de dingue. Le classement général final, les 3e, Zombie Turtles, la tortue, médaille de bronze. Second, ah, le malade, le malade. La perfusion. Et premier, Peep My Ride. Magnifique, magnifique. Et voilà les vainqueurs de cette course aujourd'hui à Cincinnati dans l'Ohio. How you feeling? Oh, crazy! Ah, crazy, I understand. Did you ever imagine? Crazy, c'est fou, on est fou. Not at all. Regarde la roue, ils tant qu'ils ont gagné avec deux roues, ouais, vraiment une roue très très compliquée à débranlante. Voilà, c'était une super expérience et nous aussi on a vécu une belle, grâce à eux, encore une très belle course aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe, bravo. Et on a hâte de voir la première, la prochaine épreuve, on ne sait pas où dans le monde. Merci Yohan, merci à tous, merci Florian, merci. On s'est régalé une nouvelle fois sur la chaîne L'Équipe avec les courses de caisse à savon. Bienvenue à Montréal, au Canada, pour une nouvelle course de caisse à savon. Bonjour mon cher Johan. Coucou Florian Gazan. On va se régaler encore avec ces acrobates de la discipline. Ah oui, ils vont nous clouer le bec et même le Québec sans doute dans cette course à Montréal, dans la belle province. Et oui, c'est un championnat du monde, c'est ça, Florian. Il y en a partout. C'est pas de la rigolade, c'est un championnat du monde. Voici le parcours. Dès le début, on aura un saut, une rampe. Ensuite, ça va descendre. Oh, il y a beaucoup de pentes, j'ai l'impression. Oh, un virage incurvé qui va faire... Oh là là, mais il y a au moins 15% de pente, là. Ouais, et encore un kicker, donc vraiment un gros saut pour... Ça va faire les dégâts, Florian. Avant de rallier l'arrivée, ouais, il y aura de la casse, ça, c'est sûr. Il y aura même de la casse à savon. Clairement, allez, les premiers... TKO. À côté, les Turbo Lego. Alors, quelle note artistique, vous le savez, dans les courses de caisse à savon. Entre 7 et 9, je pense. Dans les courses de caisse à savon, Johan, la note artistique est cumulée au temps réalisé pour déterminer le classement. Donc, J'adore ce parcours, regarde ça. Attention, le saut d'entrée, il y a un saut. Il y a un monde extraordinaire. À Montréal, il y a du monde, ça passe.
ça passe, regardez, au pied des tours, en tout cas de Montréal. C'est magnifique, en tout cas pour la Santé. Ah, c'est le Grand Prix de Montréal. Attention, le virage incurvé. Oh, ça passe, ça passe, ça a perdu un peu de vitesse. Ouais, et regarde, il a comme ça, ça a été la tangente, comme ça a été très tendancieux pour ne pas tomber. Et le dernier saut. Et oh, bah ils ont perdu l'arrière, ils ont perdu les côtés, ils ont perdu l'avant. Mais bah, ils ont gagné notre respect éternel. Et surtout, ils ont gagné la ligne d'arrivée. Voilà. Les Lego 30 secondes, 82. Allez, ça va être notre premier temps de référence. Et c'est un aujourd'hui, parcours finalement très rapide, hein. 30 oui, secondes. Assez court, mais c'est intense. Et là, le Solando, regardez-moi Solando. C'est la Team Babies. C'est vous, Florian, quand vous aviez 8 mois. Regardez, c'était allez, vous, déjà avec la moustache. J'avais déjà de la moustache à 8 mois. Une puberté très précoce. Et là, regarde. Ah, regardez-le. Allez. Derrière, c'est la maman ou le papa qui n'était pas content. Et ils ont poussé le landau. Les parents, ils ont abandonné les enfants. Si à eux leur triste arrivent sort. Au bout, si eux arrivent au bout, je leur fais une statue devant l'équipe. C'est vrai. Bah écoutez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça parce qu'ils sont vraiment au perché. Et là, c'est compliqué parce que la pente est terrible. Là, regardez ce virage qui va être terrible. Oh, et ben, ça passe. Oh, mais c'est merveilleux. Non. Si. Non. Si. 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 Non. Ah si, ça passe. J'en reste bouche bée, même bouche bébé. Ah. Le dernier saut. Ouais. Il est né le divin enfant. Combien 40 secondes peut-être dans 34 secondes. C'est pas mal du tout. C'est incroyable ces candidats. Eh bien en tout cas, on avait très bon temps pour le moment. Bébé Cadom plutôt que bébé Cado. Eh oui. Il se frise la moustache en tout cas. Une couche bien remplie comme une course. Control, like, the steering and all of this, and all of this stuff. But we like allez. It. Did the crowd really get ils sont contents. I think so. Yeah, we're so cute. We're ouais, ils étaient tellement mignons avec leur petite barboteuse. Voilà. All right, guys, off you go. I'll wheel you on. Allez. Allez. On va retourner à la maternité et enchaîner. Oh, Goldorak, c'est pour moi. C'est pour moi. Le dessin animé de ma vie. Oh, c'est mon héros, c'est mon tatoueur. J'adore. Oh, il est beau, magnifique. Fais-moi la musique, j'ai fait moi la parole. Cours vers nous, prince de l'espace. Nada, ah, j'adorais. Je retourne mon enfance avec Dorothée Antenne 2. Oui, c'est Goldorak, magnifique. Mais regarde-le. Go Astéro H. Oh, j'adore. Mais là, regarde comment il est bien outillé. Franchement, regardez-moi cet engin extraordinaire. Non, 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 Goldorak, mais non. Le héros de mon enfance n'a pas le droit de se cracher. Non, Goldocrack. Non, oh non, je suis pas d'accord. Oh non, on recommence. On a bien vu. Allez, Actarus, là, il redémarre Goldorak. Mais oh là mais là. Goldorak ne s'est jamais craché, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est la faute d'Hidargo, c'est Minos. Non. Il y avait un Golgoth. Allez, ça passe, ça non. repart. Non, je suis triste là, franchement, j'ai envie de remplacer. Là, je peux pas rester là, moi. Oh là là. Mais regarde ça, 44 secondes. Mais c'est un temps corneau, pas fulgurant, Johan. Je comprends pas ce qui s'est passé là. On lui a mis quelque chose là dans son verre avant de partir. Là, on peut l'endormir. Oh là, je suis très triste. Mais bon, on va enchaîner avec Retour vers le futur. Ben, tous les héros de notre enfance défilent aujourd'hui à Montréal sur la chaîne L'Équipe. Ah, j'adore. Le Doc et Marty McFly. Don de Zeus. La DeLorean qui va s'élancer. Regardez le public évidemment en transe, un monde extraordinaire ici à Montréal. Et c'est parti. Regardez cette vitesse extraordinaire, cette voiture déjantée, cette voiture dégagandée, cette voiture des je ne sais pas quoi. Allez. Cette voiture qui est fantastique. Eh ben c'est Marty McFly qui est au volant. Il a laissé le Doc au départ et plus vite que le passé, plus fort que le présent, encore plus dingue que l'avenir. Regardez-moi ça, et extraordinaire. Quel va être son futur, Johan? Quel va être son futur? Je pour pense qu'il va finir premier. Est-ce qu'ils vont faire moins de 30 secondes? Est-ce qu'ils vont faire moins de 30 secondes? J'y crois. Il faut passer cet obstacle, oui. Oui, ça passe. Allez. Je pense que ça fera moins de 30. La ligne d'arrivée. Oh, alors Marty. Ouais. 06. Extraordinaire. Regardez-moi ce virage fantastiquement pris. Bravo. Moins de 30 secondes. C'est l'un des meilleurs temps de l'histoire dans 25 ans de cette compétition. Magnifique temps de la DeLorean. Les Streamliners. Alors c'est un bolide. Un bolide argenté. Et on est encore dans l'espace. Hein. On est encore sur cette thématique du temps qui passe. Je sais pas où. Mais Florian, on vieillit. On a plus 10 ans, Florian. Ah bah non, ça. Et malgré tout, tu vois, on commande nos héros de notre enfance aujourd'hui avec Goldorak. On est venu avec notre âme d'enfant. On l'abandonnera jamais. Et est-ce qu'il y aura Silas la vie? Vous rappelez ce feuilleton? Silas la vie, c'est une folie. Regarde-moi ça. Oh là là. Oh, ça va très très vite. Oh, ils vont battre tous les records. Ils vont battre tous les temps. Le virage incurvé. Ouais, ça passe. Ça lèche le foin, mais ça se plante pas dedans. Oh, je peux lèche les babines. Ils vont gagner. C'est ils une flèche d'argent. Ils vont faire moins de 30 secondes, sûr. Ils vont faire moins de 30 secondes. Un temps supersonique. On attend le chronomètre. Ouais, 26. Ils prennent la tête.
on vous l'avait dit, on a affaire à des géants. On regardait la foule extraordinaire, il n'y a plus de place, il n'y a plus un centimètre carré. Quel temps hallucinant. Ouais, tout droit devant, tout droit. Et regardez cette porte gigantesque en plein dans Montréal, c'est fantastique les Canada. C'est pas du Canada de rail. Et une grosse maîtrise du pilotage, Johan, en plus. Regardez là. Regardez-moi ça, c'est fantastique. Le virage incurvé, ça passe tout seul. Ouvrez grand vos yeux, profitez de ce spectacle dantesque. I think you should, man. It suits you. Thanks, dude. Good job. Bravo à lui, bravo. Nice. Excellente descente. On décompte 28 secondes. Parfois, on commande des courses de 40 secondes. Ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Patrick Sébastien, que l'on adore. C'est pathos, c'est génial, les serrés. Je vous l'ai dit, on ne commande que les héros de notre enfance. Hey. On a grandi avec eux, on grandit, on vit avec eux à côté d'eux. Mais moi, à côté de vous, j'ai l'impression d'être à côté du petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. Est-ce qu'ils vont rater le plongeoir? Est-ce qu'ils vont rater leur course? Est-ce qu'ils vont rater leur saut? Mais c'est les Français, c'est pas possible. Mais on est au Canada, évidemment, on est à Montréal. Ah, oui. La francophonie. Ah oui, la franco surtout folie. C'est parti pour la boîte de sardines. Ah, je les adore. Regarde le sourire qu'elle a. C'est gigantesque. Est-ce que c'est son mari derrière, peut-être, ou son copain, ou son frère, ou son cousin? Ipipipoura. La roue arrière droite me fait très peur. J'espère que c'est pas une sardine à l'huile parce que ça pourrait déraper, Johan. Là, attention, c'est magnifique. En tout cas, ce qu'ils font, on dirait une baignoire gigantesque. On dirait, voilà, ils ont. Ça tourne, les roues, ça va pas très vite. Hein, ça manque de vitesse quand même. Ça manque de mordant, tout ça. Ça glisse pas assez. Mais c'est beau quand même, c'est beau, regardez. La sardine, elle sourit à la foule. La sardine, c'est plein de vitamines. La sardine, j'adore. En bas de chez moi, non, la sardine à l'huile qui dérape. Aïe. Je crois qu'il s'appelle Thibault, le monsieur, il y a du Thib. On l'avait dit dès le départ, on sentait pas le truc. C'était bien, c'était sympathique, c'était rigolo. Ben oui, mais. Mais regarde-moi, oh, la roue avant droite. Et là, qui accroche. Il freine, il met un coup de frein, mais ça dérape. C'est terrible. Et en tout cas, ils étaient là. On est là pour participer, on est là pour s'amuser. Regardez. Et on finit à pied. Voilà. Magnifique. Et voilà. Et deux concurrents qui étaient en boîte. Et ils ont de la chance, c'est pas donné pour tout le monde. Et les boîtes qui rouvrent en plus en France. Ils ont rouvert les boîtes pour cet été. Oh, Indiana Jones! Je vous le dis, tous les héros de notre enfance sont là. J'adore. Ta la ta. La la la. La 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 la. La 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 la. Et c'est même une course au poil, on a vu le poil évidemment, poil à frire. Indiana Jones qui a perdu son chapeau et en dessous, on a vu qu'il a perdu ses cheveux aussi. Et le papa d'Indiana Jones est là, Sean Connery. J'espère vraiment, on vous l'avait dit, on en a déjà parlé, mais l'amour du risque là, non, c'est l'agence tout risque évidemment. L'agence tout risque. Je veux voir Barracuda. Ben, vous le verrez peut-être. En tout cas, j'espère pour Indiana Jones que le temple ne sera pas maudit. Et là, regarde un peu, c'est le looping là, il y a du looping là. C'est extraordinaire et la porte est terrible. La porte est à 18% et regardez-moi ce qu'on voit, c'est extraordinaire. Oh, génial, comme dans les aventures de l'Arche perdue, Indiana Jones qui poursuit par ce rancher. C'est pas ça qu'on veut voir, c'est Indiana Jones qu'on veut voir derrière là avec la pomme géante derrière lui. Extraordinaire, en tout cas ça dévale la piste. Eh bien c'est pas mal du tout, croyez-moi. C'est très très bien. Parce qu'ils prennent des risques énormes. Regardez-moi cette pente terrifiante, terrible. Et pourtant ils vont arriver au bout, à mon avis, entre 30 et 40 secondes, je pense. Est-ce que pour les aventuriers de l'Arche ça va être perdu? Entre 30 et 40 secondes, je vous l'avais dit. Mal. Et je vous assure qu'on n'a rien. Et regardez, Indiana Jones qui arrive poursuivi par ce rocher géant. Ah, j'ai adoré cette caisse à savon. Quelle imagination c'est ils ont eu. C'est vraiment du gros tard. On n'est pas loin ici à Montréal, évidemment, hein, des studios d'Hollywood. On dirait cet acteur extraordinaire, là, Bernard Lecoq. On dirait Bernard Lecoq. C'est peut-être Bernard Lecoq. Famille formidable, exactement. Fantastique. Je suis très heureux moi aussi, monsieur. We wanted to watch the soapbox car, but then the ball at the top. We wanted to watch that as well. It had everything. Are you tired? You ran the whole course. Ouais, il est crevé parce que lui, il a couru toute la descente poursuivi par ce rocher géant. Il a été extraordinaire. Il a été formidable. Merci, Indy. Well done, guys. Amazing job. And now you just gotta get this ball out of the way if you can. Get that moving. Ah, merci, monsieur. En tout cas, nous avoir fait rire, sourire et revenir en enfance surtout. Là, c'est quoi? C'est des grizzlies? C'est des gorilles. Elle, banana, c'est de la banane. Et la banane. En tout cas, attention, l'engin qui va s'en aller maintenant vers le paradis, vers l'enfer, on le sent là quelques instants. Attention, la pente est terrible. Oh, déjà, ils ont failli perdre le contrôle au bout de même pas une seconde de course. Et ça y va quand même. Est-ce qu'ils vont réussir à faire moins de 30 secondes et moins de 28 secondes? Attention. Est-ce que les obstacles vont avoir la peau de la banane? Ça glisse, mais c'est une banane, c'est normal. Je sais qu'il faut 5 fruits et légumes par jour, mais parfois, il en faut 4 et ça suffit. Oh, attention, ne pas se blesser, même si le public est là pour évidemment. Il y a des médecins, il y a des bac plus 9 en médecine qui sont là. La sécurité est assurée, hein. C'est important, Léon, on fait pas n'importe quoi.
Mais là, la banane, elle était périmée, je peux vous dire, depuis très longtemps. Bah, c'est de la banane écrasée, hein. Que c'est ça. Alors, whack a mole. Mole, c'est une taupe en anglais, donc je pense qu'il y a de la taupe au guichet. Eh ben, en tout cas, on est au top, en tout cas, sur la chaîne L'Équipe. Au top, on est au top. Alors, vous rappelez ce programme extraordinaire évident qui existe encore ? Stop ou encore ? Oui. Stop ou encore ? Il y avait également le top 50. Ah, le top 50. Les petits clous, notre ami Marc Mosca. On l'embrasse. Mon petit Marco. Et là, regardez, là, il chasse les tops, le candidat. C'est difficile parce qu'il faut prendre, il faut conduire et en même temps chasser les tops. Croyez-moi, c'est compliqué. Oui, ben, je pense que je serais lui, je ferais plutôt le choix de la conduite pour commencer. Et la taupe, on verra l'arrivée. Oh là là. Bah, il avance quand même pas mal, bah, je crois que c'est pas mal parce qu'il doit faire trois choses en une. Et le premier saut. Oh, ouais, ouais. Regardez-moi ça. Allez, quel temps il y a. À mon avis. Oh, 31-25. Je crois qu'on est sur la troisième place. Il y a eu un 28 secondes, il y a eu un. Mais je crois qu'il est troisième. On est au top. Regarde, il a écrasé la top. Il a écrasé la top. On est au top. It was very fun. You were pretty fast, man. You did well to hold on the back. Was that scary? Not very much. It was not too bad. I saw you doing, kick-ups, you know, you played a few games of whack-a-mole. You were having fun. I take that from the BMX. Voilà, you know? il s'est bien éclaté. Ouais, un peu mixé, un peu comme quand il faisait en vélo. Bon, en tout cas, ce soir, il doit faire la fête sur un rooftop, évidemment. Emo, they didn't get it. Back the top. Allez. On enchaîne avec... Oh, mais c'est Groot. C'est Groot, des gardiens de la galaxie. Oh, mais vous savez tout ça. Les gardiens de Montréal. Bah, évidemment, c'est Marvel, les super-héros. Encore notre enfance. Je n'ai jamais vu Marvel. Oh, là, on s'amuse en tout cas. Quelle descente extraordinaire. Vraiment bravo. Elle est au très belle cette piste. Très belle cette caisse à savon. Et la piste est assez spectaculaire. Mais la caisse à savon, ça ne va pas. Regardez, il y a déjà une roue qui s'en est allée, je crois. Il y a une roue qui a déchaussé. Comment ils vont arriver au bout? Comment ils vont arriver en bas de cette pente infernale? Et voilà, je vous l'avais dit. Je l'avais senti. C'est l'abandon. C'est quasiment l'abandon. Ils vont continuer comme il y avait une roue qui a été perdue au bout de 32, même pas 30 centièmes de course. Regardez, on voit la roue. Ah là là, la roue qui est partie. Allez, je suis Groot et je suis déçu surtout. Oh. Eh ben alors. Grande déception, ils ne sont même pas allés au bout. La foule, il y a 55 000 personnes ici dans les rues de Montréal pour assister à ce grand. La déroute de Groot. Three Nuts Crew, l'équipe des cacahuètes. Alors, il lui a mis un coup d'esquimau. C'est un esquimau au beurre de cacahuètes, peut-être. J'adore, on dirait à McDom en tout cas. Ouais, McDom aussi, héros de notre enfance, McDom, évidemment. Avec sa moustache, Tom Selleck. Et c'est parti, non, c'est du Select, là, c'est du Select. C'est un esquimau géant, Johan. Oh là 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 là, le chaud et l'effroi. Le chaud et l'effroi, la glace. Attention, ils ne voient pas le résident. Ils sont complètement fondus. Mais ça passe pas mal comme ils sont barrés. Regardez-moi le système de freinage. Il a pris ça dans son vélo. Attention, non, ça va déraper. Wow, non, non, oui, mais non, c'est une glace. Une glace, ça dérape, ça glisse. La glace, ça glisse. Oh là là là, peanuts là. Peanuts. Ah, c'est parti en cacahuète, évidemment. Ça ne pouvait... Et là, il a vu qu'il allait partir bah, dans le ravin. C'est terrible. Là, ça n'allait pas. Regardez, il a. Ah, il a mal pris son virage à gauche et puis après ça n'a été que de mal en pis. Ah, c'est un esquimau, mais ils auront les boules de glace à l'arrivée parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Eh bien en tout cas bravo à eux d'avoir participé. Regardez-moi ça, ils continuent en dépit de mille problèmes. Ils sont complètement givrés. Hein. Par deux. Et voilà, 49-25. C'est misère frouze, hein. C'est vraiment misère frise. Ah, et mystère qui s'est pas frisé, ouais, ça c'est sûr. Oh, regardez cette gamelle. On revoit là. Oh là là là. La sortie de route. Comme en Formule 1. Ah, ils n'ont pas respecté la chaîne du froid là. Et là, c'est. Ouais, le saut, après, là. avec les Formule 1, évidemment, rien ne repousse comme Attila. In a nutshell, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esquimau? Eh oui, la roue côté droit. The right side of the support for the pops. Just stick out. You could see when you were coming into that left bend, you Et puis la carcasse aussi n'était pas très stable. Ouh là, quelle chute. Ils vont avoir besoin de glace, mais pour les hématomes, Johan. I finished the race and I'm not broke and I have. Il faut garder la foi dans le froid. Good job, guys. Well done. We'll catch you later. Ice run that was. Allez, la prochaine caisse à savon, 100% cliché. Ouvert, un esquimau, des esquimaux, évidemment on est au Canada, donc
le bûcheron. Voilà, tous les clichés canadiens sont réunis. Ah, on a envie de partir. Vous êtes déjà allé, Florian, au Canada ou pas? J'ai vécu un an au Canada. C'est pas vrai! À Québec City. Oh non! Allez. Vous connaissez ces endroits, évidemment! Bah, évidemment! Magnifique, regardez-moi ça! Allez, je suis avec eux. Allez, les Esquimaux, après les glaces, les Esquimaux maintenant. Allez, on avance bien. Ça va toute berzingue, c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est formidable. Oui, c'est un traîneau. Il n'y a pas le chien, il y a le ranger, mais le traîneau ne traîne pas, Johan. Oh, attention, non, non, non! Ah, si, non. Ça passe! Bravo. Magnifique, super! Ah, ils sont à domicile, hein. Ils sont à domicile, les Canadiens! Et là, ils se battent en tout cas. Les, comment on appelle ça, les trappeurs et sans reproche, magnifique, ça continue encore, c'est super. Allez, le trappeur, ils vont faire le moins de 40 ranger. Secondes, ils vont faire moins de 40 Canada, secondes. Canada, 30 secondes. Quel score canon! Je crois que c'est le quatrième temps, j'ai pas tout noté, ça m'en calme pas, mais j'ai vu du 30, j'ai vu du 28, j'ai vu du 29, j'ai vu du 30, j'ai vu du 31. Magnifique épopée, à travers, comment dire, à travers le froid, à travers les glaces. Ma cabane au Canada. Ah, c'est magnifique. Ah, formidable. Ah, magnifique. Magnifique. Ah, ouais, là, dérapage est très contrôlé. Alors qu'il fait un temps magnifique ici à Montréal, hein. Pas de neige, pas de vent, pas de froid, pas de pluie, juste les rayons du soleil. Un temps idéal pour une course de caisse à savon. That's my favorite little moment so far, little drifty bit. Bravo à eux en tout cas. Ouais. Quel beau spectacle. October Bull, la fête de la pied. Johan, un change complètement des pays. Magnifique, on salue encore et toujours Alexis Menu, notre formidable correspondant d'Allemagne. Et là regardez-moi ça, ça va être un festival. Je les vois très très bien partis parce qu'ils ont, les vitamines. Ils sont ivres de bonheur, regardez-moi ça. C'est Capitaine Taverne, allez, c'est parti pour ce char de l'Octoberfest. Ils partent doucement, mais attention, ça va s'accélérer au fur et à mesure. Il y a de la moustache. Regardez, ça avance, attention, prendre des risques, il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Allez, la trajectoire, elle est pas mal. À qui perd gagne, c'est pas mal. Il faut bien, comme en moto, c'est le très virage très bien. Curvé, ouais, très bonne trajectoire. C'est magnifique, allez, on accélère. Florian, regardez le photographe qui a compris qu'il te passait un moment d'histoire. Allez, le saut. C'est magnifique, extraordinaire. Est-ce qu'ils vont faire moins de 30 secondes? Peut-être entre 30 et 35. Entre 30 et 35. Ah, 67. Temps formidable. Canon. Sur le tonneau en plus, sur le tonneau de bière. Ah, ils ont eu du pot, même de la culotte de pot. Bravo à eux. Good run. Ah, excellente course. Very, very good run. How did it feel? Honestly, it was so fast. And ça a été tellement vite, on ne s'est pas trop rendu compte, mais ils ont vraiment bien piloté. Et c'est normal que ça marche, la bière, évidemment, parce que la bière, ça fait de la mousse. Hein. Et pour des caisses à savon, c'est totalement logique d'aller vite. Mais regardez un petit peu, ça a tenu, les quatre petites roues ont tenu. Formidable parcours de ces Bavarois. Allez. Et on se fait mettre pour une petite mousse pour passer ça avec modération. Dirty cheese, les fromages sales. Alors là, on est sur une voiture... classique, un char classique avec des petites roues, attention. Moi ouais, j'ai peur que là, regardez comment ça tient très très mal déjà le 2. L'habitacle, l'avant passe déjà est très très mal tenu et j'ai peur pour eux. Ouais, j'ai l'impression qu'on va pas, il n'y aura pas de quoi en faire un fromage de cette caisse à savon. Attention, ça tient pour l'instant, ça tient pour l'instant. Alors on continue encore. Est-ce qu'ils vont faire moins de 30 secondes? Est-ce qu'ils vont faire moins de 28 secondes? Est-ce qu'ils vont essayer cette course magnifique? Attention! Oh, les petits trous! La roue encore! Trop de pression sur les épaules. Ils étaient parmi les favoris des bookmakers, ils les avaient mis dans le peloton de tête. Ah, le fromage a coulé, Johan, le fromage a coulé. Ah, c'est terrible. Oh là 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 là, regarde la déception. Ah, non, il faut pas faire ça, c'est pas la faute de la roue. La roue n'y est pour rien. Il faut pas détruire le matériel, il faut respecter la défaite, il faut respecter les revers, faut respecter les jours sans, faut respecter un petit peu. C'est un jour sans, ils ont eu un trou hein, comme le gruyère. Ah là là, le trou noir, le trou d'air. Ah, Toy Story vers l'infini et au-delà. Alors on a monsieur Patate, on a Woody et on a Buzz l'éclair. Encore une fois, des héros de notre enfance, hein. Encore une fois. Eh oui, oh bah là c'est plutôt des héros de l'enfance de mes enfants à moi, mais enfin j'ai forcément en tant que papa, je les ai vus. Regardez-moi cette tête folle un petit peu. Allez, c'est parti pour Toy Story. C'est très très bien, déjà un très très bon talent de guidage en tout cas. On arrive à garder la bonne direction, est-ce que ça va être un petit peu le juge de paix maintenant? Ce virage est terrible, ce virage est terrible, ouais, bravo Woody. Il peut viser la gagne, il peut viser le podium. Allez, le saut. Est-ce qu'ils vont faire moins de 28 secondes? Ils ont réussi à rallier l'arrivée, est-ce que ça sera moins de 28 secondes? Ça me paraît compliqué, plutôt 32. Ah ouais, le meilleur temps. Le meilleur temps. Une story absolument.
absolument heureuse. Mais c'est extraordinaire. C'est Joy Story. Et c'est Fontanella Joie. Ils ont tout donné. 27 secondes. On n'avait jamais vu ça encore dans l'histoire de l'humanité. Ah ben, Johan, Buzz l'éclair a vraiment bien porté son. Ah non, mais là, c'est un coup de foudre. On est tous sous le charme. Incroyable. C'est extraordinaire. Fantastique ce qui s'est passé ici. Ils ont rasé le bitume. Ils ont rasé les bottes de foin. Et ils ne seront jamais rasoirs. Meilleur temps. Les nouveaux mariés. Ah bah ça c'est ma femme, je peux vous dire, elle demande déjà le divorce avant d'être sur l'autel. Ah bah oui, vous savez hein, Johan, pour pouvoir divorcer, il faut s'être marié. Eh oui. L'un ne va pas sans l'autre. Et là... Et je sais de quoi je parle. Ah là 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 là, mais Florian, vous allez trouver l'amour, vous allez retrouver l'amour, vous allez trouver la vie. J'ai trouvé l'amour, il va bien, et bah, je l'embrasse. Moi je fais l'amour, toi tu fais l'amour, et la vie qui continue avec les nouveaux mariés maintenant. Faisons l'amour, et regardez-moi. Avant de nous dire adieu. Et bah c'est très très fort en tout cas, voilà, magnifique, on leur espère un baptême de l'air, un baptême du feu, un baptême de feu, et c'est très très bien. Et on avance maintenant, est-ce qu'ils vont mais faire c'est moins original de faire une lune de miel dans une caisse à savon, pourquoi pas. Et ben, moi je veux dire, l'amour est partout, à chaque coin de virage, et c'est très très bien. Oh, oh, oh non, l'amour. L'amour du risque. Mais c'est pas grave, ils s'aiment, c'est ça le plus important. Ils s'aiment, comme avant. S'aiment. Et ils vont trouver la voie, évidemment, juste. Oui, Daniel Lavoie, bah, qui est de Montréal, donc ça tombe bien. Et il y a des accidents parfois, les nuits de noces, c'est pas grave. Bah, il oui. y avait du monde. Y avait parfois, on s'endort pendant les nuits de noces. Et puis, il y avait les parents, il y avait les amis, ils étaient 485. Bah, en et tout cas, c'est une pièce démontée, là, Johan. Mais une lune de miel à Montréal, et bah franchement, quel magnifique cadeau! 43, et bah franchement, finir en c'est 43 pas mal. Secondes. Ah bah, vu ce qui leur est arrivé, c'est un temps inespéré. Et là, regardez, ils s'aimaient trop, ils pensaient au cœur, plus regardez, pourtant, ils touchaient bien les freins, mais ça n'a pas suffi. En tout cas, on leur souhaite une manière merveilleuse. Oh, encore des ronds, Batman! Da-da-da-da-da-da-da-da. Batman avec évidemment Robin, Catwoman, le Joker. Et surtout, hein, aux enfants. Et le Trickster. C'est l'été, donc mes parents, chers parents, à vous laisser vos enfants. Bien sûr, on se couche, regardez ce on se couche tard ce soir. Oh, allez, la Batmobile! 23h05 ce soir. La Batmobile à l'ancienne, elle est magnifique. Magnifique Batmobile, j'aurais adoré avoir la même, mais avec des pédales pour pouvoir avancer. Et ça tient très très bien, alors que la porte, on vous le rappelle, hein, la porte, vous ne la voyez pas, mais la porte, nous, on était sur place. La porte, elle est terrible. Terrible, la porte terrible. Est à 18%, c'est pire que le Galibier. Allez, attention, ça descend. Batman et Robin pour l'instant. Oh oui, ça passe. Le chevalier noir qui n'est pas noir, il n'a pas de malchance. Ça se passe bien. Extraordinaire, extraordinaire pilotage, un pilotage raffiné, un pilotage. Oh, c'est la Batman. Ça peut faire moins de 27 secondes. Parachute. Ça peut faire moins de 27 secondes. Batman en 31. Aïe 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 aïe. Ils échouent au port. Ah, mais enfin, quand même, ça a été des super héros, hein, et des héros super là sur cette descente. Et regardez-moi ce dérapage, extraordinaire. Well, quel pilotage. How was that for you, Robin? It was great. It was super fast and très très rapide. C'était merveilleux. Ouais, et Robin qui est content et Batman qui a perdu ses cheveux. But yeah, open it, slowed you right down. You were coming straight at us. How was the last jump? Magnifique, en tout cas, très joli. Qu'est-ce que ça savon, hein. Ils ont bien bossé. Franchement, des coups super ordinaires. C'est une des plus belles voitures. Une des plus belles caisses à savon qu'on ait vues sur la chaîne L'Équipe. Pareil, j'aimerais bien. Si vous connaissez quelqu'un dans le bon coin, j'aimerais bien l'acheter encore. Évidemment, il n'y a pas de problème. Regardez-moi ça un petit peu, là, les bulles un petit peu. C'est quoi ça? C'est des petites capsules, la magnifique. Les capsules, les bulles, les cockpits. Et maintenant, les Wacky Wagon. Qu'est-ce que c'est? Alors wacky, ça veut dire fou. Le wagon fou. Le wagon taré, le wagon déglingot. Attention, le wagon il y a que trois roues, je crois. Oh là là. Non, il y en a quatre. Il y en a quatre, mais c'est de la roue fine, c'est de la petite roue, la roue pas solide. Oh, oh. On va voir, Johan. Hein. Et regardez-moi un petit peu, j'adore ce volant. Ce volant tout de rose velu. Un volant à moumoute. Attention, et c'est magnifique. Et les rétroviseurs, évidemment. Attention, est-ce que la moumoute ne va pas ranger? Oh, oh, oui. Oui, ça passe. Oui, mais la vitesse, ça manque. Oh non, non. Non, la bascule, le tonneau. À quelques centimètres près, franchement, il faut être un expert en pilotage, il faut tout maîtriser parfaitement. Ah ouais. Et là, un excès, on l'a bien vu. Dès qu'on fait une faute de quart, c'est terminé. Ouais, un excès de confiance en tout cas. Ah, mais en tout cas, formidable attelage. Et déjà, rien que pour l'esthétique, rien que pour l'élégance, c'est vrai, mais... rien que pour l'innovation, ça vaut beaucoup de poids. Et là, regardez la roue encore. Ils n'ont pas vu la vie en rose hein, comme le volant en moumoute. Ah là là là, ils ont piaffe d'impatience de voir les prochains candidats. Oh, Johan, c'est pour vous. C'est pour vous. Des chips. Des frites. Des frites. Des frites. Oui, mais des frites. Frites. Des frites, mais pas n'importe quelle frite. C'est la poutine. C'est le plat traditionnel québécois. Oh là là là. La sauce ranch, les grains de cheddar. Mais c'est délicieux, c'est vrai. Oh, mais Johan, c'est tout ce qui est pas bon pour le corps et dans ce plat. Et la c'est poutine. Vraiment fantastique. Alors, c'est vraiment c'est magnifique. C'est tellement bon, la poutine. Oh là c'est là, pas là, bon. Là 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 la poutine. C'est est-ce pas que bon. Ça va être la dictature, en tout cas, de ce carrosse ah. Est-ce que ça va être le retour dans la démocratie ici sur ce parcours? Attention, on va voir ça. La poutine, c'est pas bon pour la ligne. On va voir si cette poutine roulante est bonne pour la ligne d'arrivée, pour la France.
franchir. Ah, ils ont attention, est-ce que ça va être la perestroïka, la politique de la transparence? Attention, ça passe ou ça passe pas? J'ai très très peur. Ils frôlent les bottes de paille, ils frôlent les bottes de poing, mais ça passe. Extraordinaire, ils ont la patate, cet équipage. Il y a de la patate dans la poutine. Ah, c'est magnifique. Ils vont très vite. Ils ont la frite. Ils fendent la foule, ils fendent le bitume, et c'est magnifique. Et bravo, attention, magnifique. Entre 30 et 35, je pense. Entre 30 et 30 secondes. On va voir. 33 secondes. Ah oui, et la poutine a joué à domicile. Oh, Yoann, faut que vous goûtiez ça, la poutine. Ah, j'ai envie d'aller au Canada. J'ai envie de manger des. Bien sûr. Regardez. Et cette combinaison en frites, ça vous irait parfaitement. Et là, franchement, cet équipage, franchement. You guys were quick down there. Which is your favorite part of the course? On en a plein la bouche. The last jump. Le dernier saut, ouais. Et la friture était délicieuse. Ah oui. Moi, j'aime bien quand les frites sont vraiment. Comment dire, un petit peu là. Comment on appelle ça là? Craquante un peu. Ouais. Il faut que ça craque. Ah oui. Normalement, hein, j'arrive en Bretagne pour les vacances. Cuite dans deux par mois des poulets frites. Cuite dans deux bains d'huile, hein, vous le savez, Yoann, hein, la bonne frite. Ah, là, 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 pas de jouvence en tout cas ce soir. La NASCAR. Allez, on passe sur une autre discipline. Et là, c'est un énorme défi. Est-ce que la NASCAR peut gagner la course à savon? Ben, j'espère que ce sera pas la NASCAR et qu'elle va arriver au bout. Hein. Oh là là, c'est un sacré véhicule. C'est une sacrée voiture. Elle est normalement, c'est pareil, c'est un des favoris des bookmakers. Ça va vite, ça va vite. Profiter pour la victoire. C'est magnifique. Je sens que ça peut aller très 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 loin. En tout cas, il faut passer ce virage qui va être terrible. Attention, ouvrez grand vos yeux. Virage. Attention, serrez-vous la ceinture. Ça va, et ça passe, ça magnifique. Il y a de l'adhérence. Oui. Bonne trajectoire. On oh, est bien. Ça sent la gagne. Ça sent la victoire, peut-être. Ça extraordinaire. Le saut. Ouais. Ça s'envole. Allez, oh, magnifique. C'est je jour sens de les tonnerre. Moins de 30 secondes. Ça fait moins de 30 secondes. C'est jour de tonnerre. Ouais. 68. Oui, bravo, Yoann. Mais quelle voiture incroyable. La voiture a été parfaitement encore travaillée la nuit dernière. Ils ont mis la voiture dans un garage. Ah, c'est jour de tonnerre. C'est Tom Cruise. Extraordinaire, extraordinaire rapidité, vitesse fantastique. Bravo à vous, monsieur. Well, I mean, obviously, it's a lot slower, but. Il a trouvé qu'il était un peu lent. Si lui, bah, si lui est lent, qu'est-ce que je suis à Ima Clio, moi? S'il se trouve lent, qu'est-ce que doivent dire les autres, surtout? Mais non, tu n'as rien oublié, monsieur. Vous n'avez rien oublié, vous avez été fantastique. Non, arrêtez. Il n'est pas de flagellation. Mais non, mais voilà, il est trop perfectionniste. Mais regarde-moi ça un peu, comment il a pris parfaitement son virage. C'était magnifique. Mais en tout cas, 26 secondes. Ça va être dur à battre, Yoann. Ça va être dur à battre. Mais il reste encore quelques caisses à savon à passer sur la chaîne L'Équipe. Quel sport extraordinaire, je découvre ce sport avec vous depuis 6 mois, cher téléspectateur, et c'est la régalade. Et quel régal, franchement, ce sport qui existe depuis maintenant quelques années et qui ravit les foules. Regardez le monde, il y a tellement de choses à faire à Montréal et les gens regardent la caisse à savon. Ne me dites pas quand même qu'il y ait personne les a forcés à être là. Encore à table, yo-yo. Il n'y a plus que des repas. C'est le dernier concurrent et là on est sur de la pasta. J'ai démarré l'émission il y a quelques semaines, j'étais à 106 kilos, maintenant je suis à 121 kilos. Eh oui. C'est à cause de la chaîne. Mais c'est parce qu'on se régale, on peut pas s'en passer. Ouais, mais là c'est pas possible. C'est de la boulimie de caisse à savon. Et là regardez-moi ça en tout cas, là, cette Scuderia italienne magnifique, regardez-moi ça, c'est très très bien parti en tout cas. Et pour l'instant c'est pasta et c'est la voiture pas, qui est magnifique. Pasta, lancée. C'est pas pasta. Elle est magnifiquement lancée vers la victoire en tout cas, regardez-moi ça. C'est fantastique. Oui, ils vont gagner, oui, c'est sûr qu'ils vont faire moins de 26 le secondes. Le saut, ça oui moins de 26 secondes, je Forza, parie ma maison. Forza Ferrari. Je parie ma maison qu'ils font moins de 26 secondes. Ouais. Un temps al dente. Le sacre de l'Italie, de la nationale et l'Italie. Italia. Qui nous a fait rêver pendant l'Euro. Marqué. Avec la bonne Roberto Mancini. Ils ont dominé l'Autriche. Ils ont dominé la Belgique. Ils ont dominé tout le monde. Really, ils ont été extraordinaires. Regardez le micro là. Le jump. Évidemment le saut. Le jump. Vous vous rappelez de jump, évidemment, avec Van Halen. Extraordinairement d'aller le vélodrome. C'est un vélo drame ce qui se passe ici. Oh, c'est formidable. Mais quelle démonstration extraordinaire. On l'a senti tout de suite. Il était dans un bon jour. Il y avait la vitesse. Il y avait la bonne direction dans les pentes. Il y avait le maximum de risque. Oh, mais c'est la Dolce Vita pour lui. C'est Cinecittà, évidemment, autour des meilleurs films. C'est super. Marcello Mastroianni. Sofia Loren. C'est Fellini. Et c'est fini, Yoann, le classement final. Oh non. À Montréal aujourd'hui. J'ai encore envie que ça continue. Allez, les Turbo Lego. Troisième de la course. Deuxième, Pastarari, al dente. Oh là là. S'est donné de la peine et il a eu raison. Et retour vers le futur, retour vers la victoire surtout. Et parce qu'il n'y a pas que le temps qui compte, évidemment. Il y a la note artistique. Il y a la note artistique. Et le cumul des deux. Fly,
you won. Et voilà, Marty et le Doc ont gagné avec leur DeLorean. What do you think was the secret to your success? Quel a été le secret de votre succès? Speed and fun. And that's it. Secret of your success, le secret de mon succès, qui était un autre film avec Michael J. Fox, petit référent, magnifique. Ouais, c'était une très bonne équipe, tout le monde a bien bossé et ça récompense ce travail d'équipe, cette jolie victoire aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe. Ils avaient confiance et nous aussi. Et on a assez confiance sur le fait qu'on va vous retrouver bientôt, Johan, pour ce régaler avec de nouvelles courses de caisses à savon. J'ai passé un moment fantastique. Ça n'est pas fini, ça continue sur la chaîne L'Équipe. Allez, à très vite évidemment, on se retrouve. Entraînez-vous dans le jardin, entraînez-vous dans votre escalier. It's the power of love and power of the course of the caisses à savon. Sur la chaîne L'Équipe.